Bonjour, bonjour, bienvenue, rendez-vous au quotidien, altislifefrance.com, 20h minuit, forum, police d'Altis, forum, fonction police d'Altis, voilà, Dédé arrive et il fait attention tout le temps, donc voilà. Voilà, stream deck configuré, quelques petites actions mises en place, on verra comment ça va se passer. Bonjour tout le monde, merci aux followers de cet après-midi de nous avoir rejoints, merci à tous de nous rejoindre sur Discord. Pour nous retrouver entre nous sur divers jeux comme R6 et tout ça, n'oubliez pas de follow, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour revoir les lives et les gameplays. Bon allez, c'est parti pour le live. Action, réaction. Oh là là. Ouais, je suis là, les talents. Putain, vous êtes pressé. Vous êtes pressé de me voir ou quoi, les tarlouses? Évidemment, mon commandant. Oh putain, ouais, tu m'étonnes, toi. Bon, les recrues là, bande de tafioles, vous êtes sous mes ordres. Donc ça veut dire que vous allez ramasser, ça veut dire que vous allez apprendre à vivre. Et n'oubliez pas que le seul papa que vous avez, c'est moi. C'est reçu? C'est reçu. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Bon, de toute façon, vous allez être briefé. Bon, j'ai vu qu'il y a eu des nominations hier pour les nouvelles recrues de la semaine dernière. Félicitations à vous. Vous avez de la chance que je vous ai pas viré. Merci, mon commandant. Voilà. Ensuite, je vais commencer par Redfield. Redfield, ça fait combien de temps que t'es déjà en chef? Beaucoup. Beaucoup. Bon, t'es quel grade, toi? Oh putain, t'es passé sous-lieutenant, toi? Oui. Oh merde. Oh. Bon, alors, ça marche. Comme t'es sous-lieutenant, eh ben, s'il y a une merde dans les squads, c'est toi qui ramasses. Pour finir, Redfield, félicitations, tu passes major. Ah. Bravo. Ouais. Il me faut un nouveau major, il faut que je trouve une nouvelle victime, donc ce sera toi. Bellucci, t'étais recru la semaine dernière? Oui. Bon, c'est bien, tu restes brigadier. Toi aussi. Toi, tu restes recru. Toi aussi. Putain, mais t'es qui, toi? Et Dudu? Putain, mais t'es qui, toi? Mais t'es qui, toi? Tu vas à la guerre comme ça, toi? T'es un écologiste? T'es un putain d'écologiste, toi? Non, je vais t'arriver. Ah bon? Bah, va t'équiper, tu reviendras quand tu seras équipé. Hey, égoïste, là, t'as lu le mémo ou quoi? T'as lu le doc? Oh putain. Bonne chance, à demain! Bon, bref, ça c'est fait. Il est quoi, adjudant? Ouais. Adjudant chef. Okay. Tu me montres toutes les mecs qui sont anciens dans le grade. Ok, bah voilà, c'est bon, c'est fait. Tout le monde sans exception. On était plus que 3, mon commandant. On était que 3, ouais. Ouais, bah vous montez à 3. Ok, donc du coup, promotion la semaine prochaine forcément. Et vous, si vous montrez pas ce que vous savez faire, je vous défonce la gueule et je vous vire, c'est compris? C'est bien reçu tous les jours. C'est reçu, commandant. Voilà. Alors pour commencer, c'est commandant préféré. Parce que si vous oubliez le préféré, je réponds pas, ce qui est logique. Parce que n'oubliez pas que je suis le premier à poser le pas sur le champ de bataille et le dernier à l'enlever. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes le premier à tuer et le dernier à mourir. Ouais, ça on verra ça tout à l'heure, quand tu seras pris en otage. Bon, on y est. C'est vrai. Ah non, moi j'ai pas été pris en otage. Ah si, j'avais un discours à faire sur les brigadiers. Bon, les brigadiers, vous êtes certes brigadiers, mais je compte sur vous pour former les nouvelles recrues, d'accord? J'ai fait le choix de prendre 6 recrues, c'est parce que je vous fais confiance, d'accord? Vous êtes tous des anciens policiers ou des anciens marshals pour la plupart, donc vous savez exactement comment faire. C'est ok? Oui, mon commandant préféré. Donc je vous fais confiance. Allô chérie? Ouais, je sais, ouais, tu t'es abonné. Merci, merci ma petite chérie, ça me fait plaisir. Ouais, t'inquiète, c'est normal. N'oublie pas ma petite poule, on dit merci qui? Merci Jackie Michel. Merci Dédé, bande de nazes. Bon, on y est toujours. Moi j'ai envie de vous dire, bonne chance, survivez. Surniqué. Voilà, ça fait parce que j'ai fait longtemps que j'ai pas niqué sous-lieutenant. Enfin, mon sous-lieutenant, enfin, voilà. Bon, bref. Ouais, sous-lieutenant. Enfin, on se comprend. Qui c'est qui vous a passé sous-lieutenant, en fait?
Général. Lequel, lequel, lequel? Dimmers. Ah merde. Et okay. Non, non, bah. Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Bon, ok. Bon, allez, je vous fais confiance, les brigadiers. Vous allez me former les nouvelles recrues aux tactiques de combat police, à la façon de se placer, à mes attentes. Je vous ai observé pendant une semaine. Pendant une semaine, j'ai vu des dysfonctionnements dans l'unité. J'ai mis une certaine cohésion en place sur le canal privé, qui est le canal 2. Naturellement, les coms du chef de lead sont prioritaires. Ça va de soi. Je veux une cohésion, je veux une bande d'entente entre tout le monde. S'il y a un problème, vous venez me voir directement. Si moi j'ai un problème avec vous, les gars, je vous clash direct. D'accord ? Moi je cherche pas à dire eh, mon général, un tel, il a dit ça. Eh, mon général, il a fait ça. J'en ai un branlé. Je le chope, je l'éventre, je lui pisse dessus et je donne à bouffer au poisson. C'est compris ? J'ai reçu ! Oui, je suis mon commandant préféré. Allez. Le crime n'attend pas, messieurs. Bah attendez, il faut prendre Egoist en compte et il y a Odor qui est parti, donc vous voulez ouais, avoir la recrue ouais, avec vous pas, ouais, je vais prendre avec moi Egoist, je sais pas quoi. J'ai envie de patrouiller avec Douglas, j'aime pas trop. Non, il y a 3, 4, non, tu vas venir avec moi. Tu vas venir avec moi et il y a 4 gradés, il y a 4 gens, enfin 4 brigadiers et un adjudant-chef, et il y a 3 recrues, c'est ça? Vous voulez mettre les têtes pensantes dans le même véhicule, vous avez pas peur vous. Bah t'as pas confiance en moi ou quoi? Mais si, justement! Ah, d'accord. 1, 2, 3. Qu'est-ce que tu fais, toi, Mike, là? Je suis avec le doc, pardon. Putain, je vais te la mettre dans ta tête, toi, là. Tu vas vite comprendre si t'es avec le doc, t'en auras besoin. Il est au taquet, hein. Je sais pas, on m'a mis avec le doc, mon commandant. Odor, il a dit qu'il revient, là. Fermez-la de répondre! Bon, faites ça, lieutenant. Moi, je vais aller pisser un coup. Tu fais quoi? Ah, si! Vous devez me prêter allégeance. À genoux, les vieux enfants. À genoux, Mike. Du coup, on peut faire dada sur lui, non? Oh, toi, commandant Dédé. Je te défendrai et t'écouterai. Je te défendrai et je t'écouterai. Jusqu'à ce que meurt s'en suive. Jusqu'à ce que meurt s'en suive. Mort! Ah, mort s'en suive. À toi, Mike. Pardon, excusez-moi, j'étais pas là. Commandant Dédé. Oh, toi, commandant Dédé. Je te suivrai. Bien. Je te suivrai. Jusqu'à mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Sautez, mes enfants. Sautez dans l'eau bénite que Jésus, Dieu Tout-Puissant, nous a donnée. Faites gaffe, elle est polluée. Abattez-les. Ah, c'est une blague. Non, je rigole, ça, c'est une blague. Oh putain, il est con. Bon, bah. Non, mais non. Allez, sortez de l'eau. Ouais, il revient. On va partir de toute façon. Allez, c'est parti. Tu fais ton. Ouais, je vais le laisser. Ouais, je vais prendre. Non, je suis toujours avec Odor. Je vais prendre un autre comme tu veux. Bah, Egoist, je vous donne Egoist la recrue, comme ça vous pourrez la former à votre poigne. Ouais, ça marche. On fait comme ça. Ouais, on fait ça. Pas de problème, on fait ça. Allez, c'est parti. Non, qu'est-ce qu'ils font bien, hein, si les loulous, il y a une recrue qui galère à s'équiper, là. C'est pas... Bah, c'est normal. Il est en train de lire le doc du sous-lieutenant. Ah. il aura peut-être pas le temps de faire ses 20 heures cette semaine à cause de ça. Kelvin, va l'aider. Respect, respect, respect. Eh, le respect tout. Mais respect, mon général, vous êtes si beau et si génial. Allez, Sid, va l'aider, là. Tous les Vipers, on se met en position. Celui qui sent le mieux, il y en a un qui va l'aider là-bas, là. Ouais, parce qu'il est vraiment galère, le pauvre. Oh, je vous parle, Sneed, Douglas. Allez, aider la recrue à s'habiller, là. Allez, gaz. Un coup. Viens, Ditton. J'arrive. Ah, pardon. Mon commandant, vu qu'on n'est pas encore parti, parle. Hein, comment? Non, mais j'ai compris mon colonel, moi. Ouais, bah, justement, regarde. Mon colonel, oui. oui, tu veux le quoi en fait? Vas-y. Ouais. Et formation. Mais quand est-ce que je peux passer formateur? Bah, tu viens me voir et tu dis je veux passer formateur au grand DD. Au grand DD. Au grand DD. Eh bah, tu es formateur. Et Et pour le recrutement, c'est quoi? C'est ouvert, fermé ou on peut encore. Non, mais c'est ouvert, fermé. Il y en a 2 qui se sont pas présentés, c'est ça? Ouais. Alors on les dégage et on prend de nouveau. Okay. Et au niveau des recrutements.
maintenant tu me laisses faire ma sauce ou t'as des conditions que tu Non, on en parle ensemble et après je te laisse faire ta sauce si ton choix est juste et... Alors moi, mon premier choix, c'est les mecs qui se sont barrés il y a 2 semaines là, et qui maintenant veulent revenir. Ah, la réintégration, tu parles. Ouais. Alors, faut voir avec les généraux. Et moi. Voilà, voilà, je reste avec la VH. D'abord, je te demande. Bah, tu m'envoies un petit message téléphonique sur mon réseau Discord et on va dire ça. Ça marche, pas de soucis. Bah, je m'en vais. Ok, on fait comme ça. De rien. Bon allez, je vais pisser, moi j'ai dit. Bonjour à tous, bonjour à ceux que j'ai pas dit bonjour, bienvenue sur le stream, merci de votre fidélité. Bon allez, ça va être parti, j'ai mis les petites nominations de grade. Merci Nek pour ton don de 25 euros, merci, bon d'entrée de jeu ça commence fort, merci beaucoup Nek, ça me fait super plaisir, merci mon fiston, tu me fais plaisir, merci à tous. Ça entame déjà les premières donations pour mes petites fesses et mon siège, parce que là, mon cul c'est plus possible. Merci, 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 merci. Salut Creepy, comment tu vas? Merci aussi à Mike de s'être abonné, j'ai fait directement RP, mais je te remercie personnellement. Merci Mike et bienvenue dans la famille des abonnés. On a sorti un véhicule parce que la recrue, il a rien. Ouais, ça marche. Odor, il en avait sorti un, mais... Ok, je vais faire ça. Merci à tous, n'oubliez pas de follow, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, n'oubliez pas de nous rejoindre sur Discord et demander votre gars sur Discord, follower, abonné ou tout ça. Merci Nek, merci, merci, franchement, merci à toi, tu me fais super plaisir. Toujours fidèle au poste et toujours fidèle au rendez-vous. Merci à vous. Merci, bisous mes loulous. Allez, prenez du plaisir dans le live. J'espère que vous allez en prendre autant que moi à faire des conneries. Je vous ai fait des petits montages rapides de cet après-midi. C'est pas terminé. Le Stream Deck est en cours d'installation. Il est déjà en cours d'utilisation, mais pas encore terminé au niveau configuration. J'ai juste eu le temps de configurer une petite connerie que je fais d'habitude. Donc vous allez voir ça au fil du live. Allez, c'est parti, je vais quand même rejoindre un petit peu l'URP. Donc voilà, merci encore à tous. Merci déjà aux donateurs, aux abonnés qui viennent de s'abonner, aux donateurs. Et merci aux futurs followers. Merci à tous. Ah, plus de radio, plus de téléphone déjà. Casse-toi, petit chapeau en rouge, avant que je sorte le grand méchant loup qui va te bouffer. Zé. Mais... Oh là là, je vais le défoncer. Tac, ça c'est bon, parce que du coup j'ai pas eu le temps de m'équipe. 4-4-4, allez, on prend un peu. Voilà, ensuite tu prends, je te lave normalement, t'as déjà presque tout en vêtements, tu prends le casque oplique TSO Black Case. Yep. Alors, je mets la casquette dans mon sac. Comprenez-moi, je parle pas anglais, je dis pas l'anglais. Et le panneau, même si tu as dit quoi comme casque, tu prends la cagoule furtive aussi et le casque. TSO Black Case. Salut Jason, comment ça va? Bienvenue à toi. Non, c'est pour la sécurité routière. Ouais, on fait comme ça. Après minuit, go R6 les gars. Douglas. La fille? Non, rien. C'est vraiment le plus beau. Ouais, je sais. C'est hallucinant. Ouais, je sais. Là, c'est beau gosse comme ça. Là, quand je marche comme ça et quand je sors mes pecs, regarde. Je peux toucher mon commandant? Oh bah vas-y, c'est à toi plaisir. Oh la vache, putain, t'as vu un peu. Ouais, c'est moi. Qui prenait le lead ou c'est moi? C'est toi. Sachant que ça me dérange absolument pas l'un dans l'autre. Ouais, je sais. Bah c'est toi. Oui. C'est compliqué comment monter, on dirait. Ouais, bah. Belucci. Ouais, faut faire 6 fois. Hein. Tu t'es rasé? Quoi? Tu t'es rasé? Non, négatif. Non, mais je te parle de. Comment? Quoi? Tu t'es parlé, je te parlais de ça d'en bas en fait. Tu te rases ou pas? Ah oui. Ah oui, ça c'est mieux, hein, parce que ça évite de faire des nœuds. Tu dois prendre 15 Red Bull, tu dois prendre 10 Donuts, une bouteille d'eau. Tu dois prendre un craft. Ouais, 15 Red Bull.
cadeau. Bon, c'est bon là, il est habillé ou quoi là? Petit projetage. Ouais, t'es pire qu'une bonne femme toi, t'as cru que t'étais où là? Comment? T'as cru que t'étais au magasin Zara, t'allais t'habiller pour un bal costumé ou quoi là? Négatif mon commandant. Bah alors mane-toi le cul putain. Affirmatif, mais j'avais pas eu le doc pour me... Non mais laisse tomber le doc, tu vas mettre 3 jours à le lire. La barrière, c'est bon, j'en ai une. Un autre police? On en a pas besoin, ça pas une police. T'as besoin ça. Ouais, on en a pas besoin. Traceur GPS, il t'en faut un. T'es l'optique, il m'en faut ou pas? L'optique, oui, il t'en faut 5. Le jerrycan, c'est dans le véhicule, donc ça c'est bon. La nourriture, tu dois en avoir aussi. Tu dois avoir 10 de chaque. Ouais, 10 de sable, de chaque, voilà. J'ai pris une Hertz. Hertz et une. Oh la vache, j'ai du pognon moi. Oh non, putain. Pognon, il veut donner un petit chèque si vous voulez, mon commandant. Ouais, tu veux combien? Moi je vais 10 millions. 10 millions? Bouge pas. Hop, là t'en as déjà 10. Redfield, dis au mec en rouge, je vais rouler sa bagnole avant que j'appelle la dépanneuse. Ah bah mon chef d'équipe est tombé. Ah, hop. Mon arme, c'est minimum 15 chargeurs. Bonjour madame, vous venez pour le poste de secrétariat, c'est ça? Bah écoutez, ouais. Vous allez descendre, c'est ça? Ah non, c'est pas moi, non. Bonjour madame, bah si, c'est vous qui avez posté l'annonce pour devenir ma secrétaire privilégiée qui passait sous le bureau de temps en temps. Pas de problème, vous allez garer votre véhicule et je vais vous recentrer sur mon bureau. Allez, à tout de suite. Allez, j'arrive, hein. Ouais. À tout de suite. Et du coup, t'as pris la place de qui, toi? Viens avec moi, mon caméraman. Okay, caméraman oui. Qui, les smokes et grenades, c'est quoi? Ah, si, en tout cas, de. Ah, putain, mes yeux, ça. Et prends 3 smokes. Okay, oh, putain, mes yeux. Ouïaïouï. Commandant, canal 2, mon commandant. Ouais, j'y suis. Allez. Vous avez une voiture, mon commandant? Ah, fille. Bonjour, mes gars. D'accord, j'arrive. Vous venez pour quoi? Je viens pour le poste. Quel poste? Le poste. Le poste de quoi? Le poste de secrétaire. Ah, ben on n'a pas mis de poste, monsieur. Vous êtes trompé d'administration, là. Ah, ben c'est pas grave. Je viens aussi pour autre chose. Je vous explique. Ah. En fait. On vient pour savoir s'il serait possible. Ah, excusez-moi, j'ai plus envie de vous parler. C'est ça? Ah. Comme vous pouvez le voir, cher auditeur. Non, mais c'est une blague, c'est une blague. Ouais. Humour! Vous connaissez pas l'humour en tant que journaliste? Ah, bah attendez, je vous rejoins, j'arrive. Non, vous rentrez pas, monsieur, c'est une zone sécurisée, monsieur, il y a des dangers criminels. Bah oui, je vous l'avais dit. Pique. Alors, qu'est-ce que vous venez faire, monsieur? Alors, je vous explique. Oui. Nous sommes journalistes et nous allons faire un reportage. Je vous explique. Ouais, expliquez. Ça s'appellerait. D'enquête. L'opette d'enquête. Pendant une semaine, non pas une semaine. Sinon, égoïste. Une tempête. On viendrait avec vous afin de filmer votre métier et d'en faire un reportage. Allez go. En amont, vous voulez mourir. Ah, oh, bien sûr que non. Bah si, parce que si vous venez avec nous, vous allez vous confronter au risque. Monsieur, je ne prendrai pas ce risque. Ah, mais vous inquiétez pas, on mettra des casques. Ouais. Mais c'est pour montrer aux citoyens d'Altis à quel point le métier de policier est très dangereux et qu'il est très très bien. D'accord. Eh bien écoutez, je vous invite à faire le 17 et à contacter le général commandant de la police d'Altis pour prendre rendez-vous. Voilà, monsieur. Oh, c'est tout prêt, quoi. Bonne journée. Eh bien, au plaisir. Allez, vous sortez vos véhicules, vous mettez dehors. Sinon, vous pouvez faire un petit reportage sur la boîte à cul de Neo Shuri, si ça vous intéresse. Ouais. Ouais, l'endroit où on crée des liens avec les magistrats. Voilà, monsieur. Au revoir. D'accord. Bah, merci. Hein. Cette voiture, elle est où? Parce que moi, j'en ai une d'équipée. Comme vous avez pu l'entendre, cher auditeur, cet homme nous a très bien parlé. Donc, les... Cet homme vous a très bien parlé. T'as ta voiture, toi, c'est ça? Ouais, au moins, elle est équipée. Ouais, bah merci. Ça veut dire quoi, que la mienne n'est pas équipée? Tout à fait. D'accord. J'ai équipé mon commandant. C'est bien, fiston. Tu mérites une médaille. Tu la veux? Ah non, si c'est une tasse. Ouais, c'est bon. Non? Je m'en putain. Allez, c'est parti. Je suis dans l'équipage. Vous pilotez ou pas? Parce que je mange encore. Ah bah le jeune, il va piloter. Ouvre. Ouvre la porte aux oiseaux. Je vais monter derrière pour moi. Hop là. C'est piloté, jeune? La fille.
Allez, direction pour moi. Pas pilote, John. Direction le crime. Je pense qu'il va falloir aller à la Oil. Pendant Kavala. C'est quoi qui la secte avec le coup? Salut Alex, comment tu vas? Donc pour tous. Dans l'ordre, Alpha, Bravo, Charlie, Doc, direction la discipline Nigades. T'es que prêt en avant? Donc nous, on est Alpha, donc t'es tout devant, ok? Comme vous pouvez l'entendre, une patrouille de police est en train de partir. Nous allons les laisser. Alpha. Je voudrais passer une dédicace à ma maman et à mon papa que j'aime beaucoup et qui se retrouvent dans l'est de l'île, pris par les otages rebelles. Nous allons vite les libérer. Merci, monsieur le journaliste, de votre voix et de votre splendide costard, parce que grâce à lui, ça me donne de la gaieté lors des débuts de patrouille. Merci et à bientôt. Vive la police d'Altis. Oui, vive la police. Ah oui, on a oublié de dire quelque chose. Quand je vais vous dire merci qui, vous allez dire Dédé. Merci qui? Dédé. Merci Dédé. À bientôt. Dédé. À bientôt. Donc comme vous avez pu le voir, les malfrats très très... Allez, c'est parti. Quelqu'un sait où on change la tatane, s'il vous plaît? Où, mon commandant? Negades, les ordres ont été donnés. Negades. Bon, allez, c'est parti. Non, mais attends. Personne à l'ADC, on va Negades. Alors, je vais t'expliquer, fiston. Nous fonctionnons en unité, Bravo, Charlie, allez, moi, Delta. Devant, c'est ok. D'accord. Nous, on est quoi, nous? Alpha. Nous, on est Alpha? Ah, d'accord. Eh ben, on est Alpha. Ouais, bah c'est nous devant, c'est ça. Donc tu vas à Negades. Regardez le message en haut à droite. Non, tu attends le Strider. Sinon, tu vas te faire engueuler par le major. Direction Pierre Gosse. Le lieutenant maintenant. On met les gaz. Ah, on met les gaz. Il se passe quoi? J'ai peur. Il se passe quoi, Pierre Gosse? On le mange, mon commandant. Ah. Ah, punaise. Excusez-moi. Ouais, bravo, tu restes avec le Strider. Alpha Charlie enfonce Pyrgos. Information sur Pyrgos? Bah, j'en ai aucune. Apparemment, faut qu'on se dépêche à la Pyrgos. C'est le message là qui a été envoyé. Ouais, Strider, tu continues d'avancer. Et, bah, tu t'arrêteras à la BA parce que j'ai pas de téléphone et de radio. Pour information de Alpha, je m'arrête à la BA, reprendre une radio et un téléphone. Odor me les a perdus dans la voiture. Bien pris. Pour tous les Vipers, on va commencer à passer canal. Vous mettez le canal 2 en additionnel. Bon allez, je reviens. Ok. Tu sais comment mettre un canal en additionnel ou bah pas? Non. Alors. Tu montes la radio. Là, tu es sur la 2. T'as plus un petit piège aujourd'hui. Ouais. Non, laisse le déjà, t'arrives pas, j'ai pas besoin. Hop. Test quand même une. Par contre, elle freine pas ces voitures. Tu sais qu'on met des gros coups de frein main. Ouais. Fais gaffe, cette voiture il fait un peu n'importe quoi au niveau du pont de Negadas. C'est bon, je suis de retour. Oh, je suis de retour. Vous m'entendez? Allô? Allô? Ouais. Allô? Ah, ça va? Ça va. Ça va. Ah, déjà? Ah, oh, mais je peux pas. Ça me raconte. T'as appuyé sur le 1? Mais non, je peux pas, j'ai pas la bonne radio. Ah, tu peux quand même appuyer sur le 1? Ah, ouais. Mais faut pas que ça change. Bah non. Du coup, maintenant, on met la secondaire, au lieu de mettre la longue, ouais, on met la fréquence 2. Ouais, c'est ce que moi je fais, en fait, déjà. Ah non, monsieur. Bah oui, monsieur. Après, en secondaire, quand on sera à la BR. Oui, ah. Et on enlève la main de ma cuisse. Comme ça. Pourquoi tu rigoles? Parce que, en vrai, je sais que vous aimez ça, mon commandant. Non, j'aime pas ça. Je suis pas un mec facile. Alors, la première patrouille de mon petit Hugo. Exactement. Bon, je parle Hugo tout seul, c'est normal, hein. Ne t'inquiète pas. Qu'il est en ligne. Ah. D'accord. Ah oui,
c'est vrai que t'as été pris en cobra, toi, mon petit salaud Jason. Tout ça pour pendre. Les bonnes patrouilles, il y a pas une vidéo là-dessus. Exactement. Exactement, les enfants. Exactement. Bon, est-ce que la famille va bien déjà? Est-ce que vous allez tous bien? Est-ce que la MIF va bien? Est-ce que le sang de la veine va bien? Est-ce que les petits loulous ils vont bien? Est-ce que tout le monde va bien? Ça a l'air. Bah ça a l'air. Une nouvelle, bonne nouvelle. La beauté manque. La beauté manque. Ah bah ça. C'est différent, petit Alex, c'est différent. Tu t'arrêtes juste à hall d'entrée. Hein. On fait un arrêt minute. Un arrêt minute. Prêt, top. Vas-y, alors, pour ouvrir la radio, pour voilà. Là, oui. Ah, 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 ah. Ma gueule. Alors moi, j'ai rendez-vous, moi. Hop. Merde. Putain, j'ai plus de sous, les gars, merde. Demandez. Non, mais c'est pas à vous, c'est pas avec vous, ça va être la police. Non. Oh, yeah. Hop là. Ouais, on a des vies en... Ouais, c'est... et alors, qu'est-ce que ça peut te faire? Merde, j'ai pas le droit de chier tranquille. Tu veux que je prenne une invitation pour aller... Voilà, exactement, tu t'es trompé. Répète, tu t'es trompé. Répète après moi. Voilà, tu... excuse-moi, excuse-moi au grand Dédé, tu dois dire. Salut. Pétrole. Ouais. Tu sais où c'est? Ah oui, t'as fait de la drogue, toi. La drogue du pétrole. Ouais. Bah, je sais pas. Ouais, c'est toujours tout droit. Là, tu vas plus droit pendant environ 600 km. Non, environ. Environ. À quelques centaines de kilomètres près. Mais n'est pas là. Ah, et voilà, et voilà. Non mais t'inquiète pas, il y en a une dans la voiture. En fait, les trousses à outils, tu les mets toujours dans la voiture. Comme ça, on, tout le monde peut... Ouais, bah répare. Si t'as fini avant moi, je te donne 20 000 balles. J'aurais sûrement fini avant vous, parce que j'ai commencé avant vous. Oh, il est chaud, Timus, cette Danus. Eh oui, c'est la première fois que je prends cette route. Oh, c'est quoi cette voiture là-bas là? Ouais, je veux la même. Un peu comme moi, vous voyez, suivez un peu moi. Oh, je la veux celle-là. Vous voulez quoi? La même voiture que lui. C'est bon, j'ai fini. Allez, c'est parti, j'ai gagné. Quoi? Ah ouais. Ouais. C'est con, hein? Allez. Ah, ça, c'est les habitudes. Non, non, c'est le fait d'être commandant. Les habitudes. Je casse jamais, moi. Ah. Oh. Oh, le vent. Putain, le vent qui nous a mis, lui. Ça pourra, non? Teste une. Ah, j'ai pas la bonne. C'est la bonne. Bonjour, par exemple, je vais vous le couvrir. Parle pas, le bouche pleine. Arrête de bouffer, tu vas grossir. Ah, il ça va grossir, le chien. Arrête-toi. T'as compris? Oui, j'ai compris. Hein. Non, en fait, j'ai pas compris. Parle pas la bouche pleine. Ah oui, parle pas la bouche pleine. Continue ce que t'as à faire. Je voulais dire une connerie encore, je voulais envoyer un message à mon fils, avec Bélip, et sa copine, elle s'appelle Rose. Oh putain. Je voulais lui dire qu'il dise à sa copine qu'il parle pas la bouche pleine. Et gentil sa copine. J'ai jamais vu, mais elle est gentille. Ah, belle fille quand même. Léo. Sans déconner. Sans déconner. Sans déconner. Eh, moi je déconne hop. Moi je déconne hop avec ce genre de truc. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il vous plaît, monsieur.
sur le sang de la veine, mon gars. Putain. Info sur situation, s'il vous plaît. Ok. Trop loin, quoi. Putain, mais ils sont où? Bon, allez, oui, vas-y, continue. C'est pas un endroit où il faut tomber. Ah, c'est pas, demi-tour. Ah, moi, droite. À droite. Allez, fiston, stresse pas, droite, panique pas. Oh là. Ah, du gerbé, putain. Virage, 20 degrés gauche. Putain, mais t'as appris à conduire à la LC ou quoi, toi? Allô? 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 Demi-tour. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain, c'est qui lui? Ah, qu'est-ce que tu fais? Mais demi-tour? Oui. Putain, mais. Pense! Qu'est-ce qui se passe? On se dirige au labo de maths, parce qu'il paraît qu'il y a des rampages. Mais le labo de maths, il est pas là. Ah non, c'est pour ça qu'on fait demi-tour. Mais pourquoi ils sont partis tous? Pourquoi ils sont tous là-bas là? Là? Oh. Attends, ils viennent tous. Oui, peut-être que je prenne le volant là. Si vous voulez. Non, tu continues à conduire, c'est une blague. La bonne mètre, c'est à droite. Tout droit. Okay, chemin bleu. Tu vas à là, tu prends celle à droite, parfait. Et au centre-ville, tu prends à droite. Sur la principale, tu prendras à droite. Une fois arrivé sur la principale, tu iras tout droit. Tu vas tourner. Tourner à droite au stop. À droite, 90 degrés. Maintenant. Là, maintenant, top. Allez, toujours tout droit. Ouais, fonce. Wow. Oh, mourir. Mets le giro, putain. Voilà, pousse-toi, toi. Enlève le giro, on est distrait. Alors, tu vois où c'est Dorida? Je suis le tracé bleu. Tu rentres dedans, c'est ça, tu suis le tracé bleu. Tu rentres dedans, non. Dans Dorida, hein, pas dans moi. Dans le fond, c'est pas ta mère, vas-y. Quelle violence. J'adore quand je suis violent. Pardon. Oh putain, c'est bon ça. Oh là. On est tout seul les gars, hein, pour info. CPA, hop là. CPA de DD. Oh putain. Ça fait demi-tour sur nous les gars. Et on est tout seul les gars. Oh, tu vas pas trop vite, hein. Freine un peu. On est tout seul. C'était quoi le message aidé là? Pour Cobra et Viper, si vous croisez la Rampage, surtout ne pas les engager. Nous sommes en code noir avec L4 de tout à l'heure. Reçu. Test radio. Il est où votre L4 là? J'ai reçu, mais malheureusement pour l'instant on peut pas, il y a une action qui est déjà en cours côté police. Merci. On avance pas. Donc s'il y a... En fait il y a une action qui est déjà en cours côté police, il y a eu un code noir face à un L4, donc on peut pas engager la Rampage pour le moment. Mais il est où ce L4 là? Il y a une action face à un L4 qui n'est pas de la Rampage apparemment. Ah d'accord. Aucune idée. Ah bah justement c'est le message qu'on a reçu là en police, je te laisse le lire, moi j'ai pas de téléphone encore une fois, ça m'énerve. Ouais c'est chiant. Mon re-réveil là, tu sais, j'ai eu un double réveil et du coup ça fait que je savais le deuxième. Ah ouais, d'accord, ils sont là-bas. Ils sont à l'autre bout de l'île. Oh bah, bon, à toutes les. Alors, on va bouger Pierre Ghost, les gars. On va Pierre Ghost du coup. Ouais. Je sais pas où il y a les cages. Allez à tous, direction Pierre Gauss. Non, prends à gauche là, on va pouvoir. CPA est déjà sur une action là, nord de l'île. Ouais, prends à gauche là, justement, go les aider. Prends à gauche sur la prochaine là, parfait, là maintenant. Peut-être pouvoir les. Ouais, parfait, on va arriver face aux autres, je sais pas où ils sont. En vrai, non, go les aider, non? Ouais. Du coup. Cobra de Viper, situation? Reste sur nous, t'es venu sur vous pour les rampettes, mais en vue du message CPA, ça va être compliqué. Effectivement, vous avez tout compris. On va patrouiller dans le sud de l'est. N'oubliez pas qu'ils ont revendiqué l'est, hein, la Rampage. Affi. Ah oui, par contre, on se rend tout le monde de face. Pas grave. On fait quoi là? Bah, allez. Je vous propose une patrouille sur Pierre Gauss et alentour. C'est reçu. Et
on pourra être dedans. On a proposé une patrouille Piago, si c'est ça. Bon, c'est pas bête. On va voir ou pas? On va pas voir. Ah, je sais pas ce qu'ils foutent le CPA là. Ouais, là, ce que je veux, on peut lancer aucune action tant qu'il y a ces. Ah oui, c'est ça. Donc on va pas, on va patrouiller. Ouais. Non, ça sert à rien de patrouiller si on peut pas faire d'action, tu vois. Ok. Ah non, mon petit creepy, y'a plus de place chez Viper. Ah si, j'ai deux places chez Viper. Déjà ouais. Y'a déjà 5 candidats. Hein. Si, je m'avais évité de me couper la route, c'est ça. Comment ça là? Y'a plusieurs candidats. C'est rien, mon petit anneau. Comment ça va? Ensuite, comment ça? Ça va tranquille, et toi? Ah ouais, sûr. Voilà, tu vois. Bah ouais, c'est bon, là, on va passer par le chien. Ouais, c'est mal foutu. Salut Asgard, bienvenue à toi, merci de ton follow, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord et demander ton rôle et t'abonner sur YouTube pour revoir les gameplays et les vidéos que tu as aimées et que tu pourras revoir dans le courant de la matinée. Merci à toi, bienvenue à la famille mon loulou. Je veux une roue. Bah la moitié de 18 mon petit Tanou. Haha, moitié de 9, moitié de 18. Y'a une route quelque part? Ouais, y'a une route partout, c'est juste toi qui le fais pas. Alpha. Ouais, tout droit, t'as une petite route là. Tout droit, tu reprends celle-là. Tu prends la petite route et tu prendras. On va faire un peu droit. Tu prendras à gauche. Et après la deuxième à droite. Si tu sais où est ta droite. Et ma gauche. Et l'inverse de la gauche. Ah. Bah, je suis pas dans la merde alors. Gauche là? Ok à tous, DDD pour information, la Rampage nous cherche actuellement, sachant qu'on est sur leur territoire qui revendique, sachant que c'est notre territoire et pas le leur. Est-ce que c'est compris? What? Affirmatif. Oui, il est parti en train de voir. Il est en face, deuxième à droite, j'ai dit. Écoute les gens, du coup! Ouais! Là maintenant c'est à droite! Ah ouais, j'entends rien. Non, c'est pas du tout nouveau, Antico, c'est juste de la logique. Comment on se passe dans la ville là? Oula. Qui c'est qui a tapé Droite la route là. La BA. Allez, direction BA. Ok. Porte tous direction BA. Je prends à droite. Reçu, on arrive. Se passe quoi là? Je vois un rappeur qui commence en jeu. Je mange, j'ai même pas faim là! Ah ouais, mais ça pue la merde! Hein. Les gens d'action, tout ça, c'est naze! C'est eux qui font de la merde en fait, hein? Quoi? C'est CPA qui fait la merde là! Ah ouais? Ah, fille, on arrive. Il se passe quoi là? Une guerre. Ouais, je regarde ça avec vous après. Vous êtes tous les deux en ville là, c'est bon? Faut que je fasse une pause sur mon sandwich, hein. Je me suis fait un sandwich mon gars, il fait limite 1 kg de sandwich. Ouais c'est reçu. Et oui, on a plus que ce que tu pensais. Info là. Il se passe quoi là, à la BA là? Mirais, apparemment. Tu t'es de ma gueule là ou quoi? Il va se prendre la douille là, celui qui a déclenché la manif pour. Non, il y a du sang, il s'est passé quelque chose, je pense. Oui, oui, non, là en fait, les gars, il y avait un rappeur qui faisait que tourner autour alors que ouais. Nos deux gars étaient coma à cause du bug du trailer. Donc dès qu'il s'est relevé, il a mis là-bas à balise.
mais le Strider est parti. C'est quoi ce bordel là? C'est quoi le bordel là? C'est pas, ils font de la merde là. Donc on a un Strider dans les airs avec leur hélico, mais du coup, c'est plus rien en fait. Exactement, exactement. C'est bon pour tous les couvreurs, pas de canal 3 du coup. On va partir d'exemple. Je sais, mais je vais régler ça avec eux, t'as pas le... Non. Le raptor en question là, je crois qu'il est dans la verre. On avait des rampages. Ah bah topez-le par contre. Alors, interception du raptor. Eh, même ça de base on peut pas. C'est pénible. De ce côté. On peut même pas patrouiller en fait, parce que hier... Ouais, il a fait arrêter là. Vous l'avez, je suis une telle affiche, il est devant la peur, il a arrêté. Ils ont pris en embuscade, ils avaient bien fait leur truc. Eh ben on a dû annuler leur truc. Et franchement, ça m'a fait chier. Il a prévenu sa radio que la police l'a arrêté, le monsieur. Et c'est pour ça que je trouve ça. C'est bizarre en fait. Pourquoi on a jamais ce problème en fait? C'est bien sûr que ça fait ça. Ouais, ils ont eu en deux fois parce que les mais ça, c'est par rapport au. Enfin. Ce qu'il va falloir faire, c'est que. Bah, c'est nul. T'as un poil, Douglas? J'aime bien, je sais, mon commandant. Range ta trompe. Elle est grosse. Je te parlais pas de la trompe de, d'éléphant. Ah, ok. Tiens, bah viens. T'as là, je suis là. C'est bon, t'inquiète. Y'en a mot pour DD. Transmets. Okay. Je suis là. Dans l'interpellation du raptor, du coup. Bah, affirmatif, avec l'unité qui a déclenché balise. Ah, on m'entendait pas. Alors, je t'explique. Ah, c'est plus le front de la radio. Y'en a mot pour l'unité qui a déclenché avec balise. Pardon. Balise. Ouais. Parleur sur le canal 2. Tu sais l'utiliser la radio? T'as pas l'odeur? Parleur sur le canal 2. Ah là, ça y est, c'est en famille. T'as pas l'odeur? Ok. T'as ton téléphone? Ah, c'est bon. Nous, on est sur le bon, allez, on se casse. Je vais mettre dans ma bagnole. Je vais sur le canal 8. Là, je suis sur le 8, ouais. Ok. Ouais. Donc, tu vas prendre la longue qui est marquée sur carte. Ok, donc, alors, la longue, c'est côté. Je veux cette voiture. Non, je la garde en tête. Je veux cette voiture. Ok, donc tu la configures sur la canal 8. Allez, on se casse. Dédé. Ouais. Comment on baisse le son de la radio? Ensuite, tu vas voir sur la petite. Bah, tu ouvres ta radio et sur la molette en haut, t'as baissé le son. T'as mis entrée ou pas? Par exemple, c'est bon, on va voir tout ce canal 3. Okay, on est parti. T'as canal supplémentaire prévu, tu sais, c'est la petite flèche de qui va vers la gauche. Ça va être mieux là. Ouais. Je vous entendais pas en fait. Du coup, on attend ici. Bon, allez, Viper, casse, passage canal 2. Chira, canal 6. C'est bon? Ouais, je suis sur le 2. Merde. Okay. Ça casse les couilles. Attends, ça veut dire que tu non, franchement, ça me pète les couilles quand ça se passe comme ça. Non. Du coup, on arrive à être chiant. Parce que... faire un petit test sur le canal quoi? Pour un putain d'L4, on peut rien faire quoi. Vous pouvez faire un test sur canal long, s'il vous plaît? Mais non, mais tu le fais depuis ta secondaire, depuis ta courte. Mais je peux pas parler avec le court à partir. Bon, soit vous allez vous réveiller, soit c'est moi qui vous réveiller un par un. Mais c'est ah merde, problème, je suis pas canal 1. Alors à tous de DD, vous allez tous vous réveiller et le CPA, vous allez venir me voir tout à l'heure là. On va s'expliquer sur 2-3 choses là. Pardon, ils sont beaucoup trop longs le CPA. Tu veux quoi Ivar? T'es en train d'admirer ma voiture ou quoi? Non. Là le problème Dédé, c'est que si on bouge, on peut rien faire en fait. Bah oui, mais c'est ça le problème. Là, je regarde, je prends le timing, ça fait 20 minutes là. Bon, si on repart en patrouille, vous me le dites. Hein. Bon, allez, on s'en fout, on fait ce qu'on a à faire, on s'en fout du CPA. Ok, donc on va où du coup? On repart en patrouille. Et Asnit, tu vois ce qu'il fait? Attends, je reviens, je sens la police vite fait. On est pour 2 secondes. Sans rendre. Non, on m'a foutu le système. C'est chiant quoi. Pour elle, chat, en plus il se passe quoi? Tu sais quoi, j'ai regardé. Hop, je retourne. Enfin, on est compilé. J'annonce radio qu'on est compilé, Alpha. Vas-y, t'es mort. Ouais, hop, j'en ai pour 2. Pratiquement fini. Ok, commandant, j'annonce radio qu'on est complet Alpha ou pas? Ouais. Ah, tu peux. Alpha complet. Bah alors faut que je descende parce que je vais pas le perdre. Personne qui écoute là, c'est le bordel, ouais, comme tu dis. Ouais. Après, ouais. Bravo complet. Bon allez, on se bouge là, on se casse là. Allez, c'est parti.
Je vais pas attendre 2 ans ici, là, et que le CPA survole toute l'île, là, je sais pas quoi, là. Ah, ils sont en poursuite, là. C'est quoi, ça? C'est quoi, toutes ces voitures, là? À gauche. Il y a toutes les voitures à gauche, à gauche. Droite. Ah, ça a pété à gauche. Ouais. C'est pour ça que j'étais à gauche. Bonjour. Bonjour messieurs. On peut vous aider? C'est quoi ce bordel ici là messieurs là? Il y a un accident de la route. Bon, vous bougez le cul à la BA là ou je vous bouge moi? On est tous là, hein. Bon, non, il reste que le doc qui est en train de se faire soigner. Oh, vas-y. Oh là là, Cayenne. Oh là là, j'en t'ai éclaté, l'eau. Ah! Commandant, il y a des adeptes de la boîte à cul. Il a la jante éclatée, l'eau. Répétez. Attendez, j'arrive. Commandant! Ouais. Des adeptes de la boîte à cul. Qu'est-ce que c'est? Ils aiment bien la boîte à cul. Ouais, la fourrière, là, tu vois. Monsieur, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes? On est un groupe de libertins. Je me présente. Alors, et vous voulez libertiner, c'est ça? Ah non, c'est juste qu'on a cassé là de base. Libertiner en public quand même. Alors, je vous invite à réparer la voiture et vous libertiner sur la route. Ouais, regardez-moi ça, le Kien. La jante a éclaté, l'eau. C'est parce qu'il était blessé, vous êtes juste arrivé au moment où ça. Il y a eu le problème. Ouais, c'est ça, ouais. Moi j'arrive toujours au bon moment, moi. Moi quand j'arrive, c'est clic là, bim bam boum. Ah non, mais. Moi aussi quand je fais du libertinage, ça fait bim bam boum. Ah bah allez à la boîte à cul, les gars, au chori, il y a de quoi s'amuser là-bas. Bah oui, on y allait, mais. Ah bah oui, il faut y aller. Bah oui, c'est une copine à moi qui tient le bar. Ah mais c'est sympa alors. Bah oui, c'est super sympa. Elle est vers où par contre, parce que je vois pas trop où c'est. Celui qui fume. De quoi qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Qu'est-ce que tu m'as dit, toi? Elle est ouverte d'esprit, votre copine. Elle l'a sécu, monsieur. Putain, tu la veux, celle-là, ou comment ça se passe, là? Je te rappelle qu'on fait pas ça avec les jeunes femmes. Putain, t'es en train de parler. Putain, tu parles mal de ma femme, toi? Tu parles pas de ma femme comme ça, toi? T'as compris? La prochaine fois que tu parles comme ça de ma nana, toi? Ouais, c'est mieux, quoi. T'as compris? Sinon, la botte à cul, c'est fini pour toi. Je pense qu'il pense qu'il faut qu'on le mette plus profond, là. Ouais, bah allez, mettez-lui plus profond. Je pensais que c'était juste une amie à vous. Bah ouais, bah c'est comme ça. T'as remarqué que je parle comme ça de ta bonne femme? Ta bonne femme, elle sait que tu fais du libertinage? Ah, si vous lui dites pas, non? Il en a pas. Ah bah voilà, donc au lieu de balancer sur la mienne, fais gaffe à la tienne. C'était votre femme, excusez-moi. Ouais. Fais gaffe à ce que tu dis, toi, parce qu'ils sont à boîte à cul, c'est terminé, toi. Et c'est des coups de tatane, là, comme ça. Ok, je suis pas comme ça. Comme ça, exactement. Ou comme ça. Ok. Monsieur, il y a la rampage à tu fais tellement bien. Bon allez. Ouais, bah vas-y. Tu dis que tu viens de la part de Dédé, t'auras 25%. Ah ouais. Allez, à plus tard, les gars. Allez, vous en voulez une ou pas, là? Eh, passez une bonne soirée. Ouais, salut les filles, là. Moi-même. Eh, on va là, peut-être une bon, commandant. Allez, gaz. Allez, on se casse. Moi, je sais pas, mais eux, ils vont se faire foutre. Et sans mauvais jeu de mots. Allez, direction un tir, hein, messieurs. T'as compris qu'ils aillent se faire foutre. Avec la boîte. Doc, vous avez fini les soins ou pas? Pas la fille, mais je pense qu'on va faire un retour Martinique. Ok, très bien fait. Ah, pour l'instant, on va rester comme ça, mais si ça persiste trop. Oh, c'est chiant là ce soir. Et on va voir ça. Voilà. D'un lourd. Alors j'ai une place de secrétaire particulière, Tano, si tu veux. Faudra passer sous le bureau. Mais je sais que c'est ta... La boîte à cul, hein. Mais je pense que c'est ta spécialité de passer sous le bureau. Bravo pour Viper Lead. Sur écoute. J'ai Ivar qui a fait un retour chez Martine pour régler un petit problème. Je vais chercher la bière. Ok, bien pris.
Oh mon dieu. Alpha, regarde sur la partie sud, bah tiens. Ok, bien pris, on va retourner à la BA, récupérer les mecs là qui font les trucs Martine et après on repart. Alpha. Les comment t'as dit Martine, est-ce qu'elle est bonne Martine? C'est bon alors. Part tous BA du coup. Salut Red, bienvenue, comment tu vas? Petite chantilly. C'est pas folichon là ce soir pour l'instant hein. Avec non. Une petite fraise. Ça donne faim hein. On est où leur action là? Tu veux manger aussi une petite fraise? Ah bah si tu me la passes, je la veux bien. Ah bah vas-y, elle est ouverte. Faudra qu'on discute après au dehors. Non, puis elle est bien rouge. Ouais, ça c'est parce qu'elle est usée. Ouais. Je veux pas savoir ce que t'as fait avec les fraises. 3-1. Ah super. Merci Trunks. Ça part en live dégustation, on va faire ça en just chatting. Comment manger des shrimp, des fraises chantilly? Comment? Des chats, quoi? Comment on mange des chats chantilly? Des fraises chantilly. Non, non, des chats, c'est plus marrant. Oh. Ah bah j'ai pas de chinois avec moi. Il y a des chinois? Ah, merci. Est-ce qu'il y a des chinois sur le live? List? Hugo? Oui. Oh putain, oh putain, oh putain. Je vais fermer la porte. Ouais, elle me ferme pas avant ça. T'es où là? T'as bouffé une patate ou quoi? Je t'entends pas quand tu parles. Et boum! Donc des bravo, j'ai bien récupéré Ivar. Bonne question. Doc, vous en êtes où? On est dans la voiture. On est bien au chaud. C'est bon. c'est magnifiquement bon. On va faire de l'ASMR, tu sais. C'est bon. Me nargue là avec tes fraises quand même. Ça vous m'attrape tout le temps, la police, bande de petits malins. Ouais ou bah. Officiellement, on tombe toujours sur toi en fait. Soit c'est nous qui faisons bien notre travail, soit c'est toi qui n'es pas discret. Moi je dirais plus c'est toi qui n'es pas discret. Tu peux aller me chercher un café, mon commandant? Ouais, vas-y, mais mange-toi le cul, putain. Bon, CPA, ils font quoi, là? Je ne sais pas, mon commandant. Bon, allez, on se casse. C'est bon, on va faire notre vie. Commence à me péter les couilles, là. À bloquer tout le monde, là. Ça me saoule, là. Faites attention à votre tension. De deux, canévo opérationnel. Allez, c'est parti. On se casse, direction ce qu'on a à faire, en fait. Notre boulot. Bien, boss. On va retourner au labo de maître, on va voir s'ils sont, ils ont été assez gentils qu'ils nous attendent encore. Allez les Pipers là, le commandant et moi on vous attend. Ouais, désolé, désolé. Hop, non tu... Bravo, il va partir chercher une radio. Allez, je conduis. Ma config, c'est quoi? Bah, je l'ai montré cet après-midi. RTX 2070, 32Go, 3600MHz. Intel i9, 9700K. Potentiellement pas. Ouais. Sortie BA, la IP, la route principale, direction LC. Je vais juste la rame, je vais payer au moins 400€. Non, d'abord. Non. Ils sont actuellement devant la BA. 180€. Allez, pour tous les Vipers, on les prend, on leur demande de s'arrêter. Partez direct en front si vous voulez rentrer. Ah, vérifiez hein, que si le pack se met. Ça a l'air. Où ça? Des véhicules qui sont dans moi. 6 véhicules l'autre tout à l'heure. Est-ce qu'ils sont en front, ils sont en excès de vitesse, c'est sûr? Fils, c'est pas là. Un à gauche et un au bout à gauche à la station. Et les autres continuent tout au long. Faites attention au RC. Est-ce qu'on arrête? Oula! Quoi? Ça va, Tesla? Tout va bien, là, il a fait. Qui a fait quoi, là? Il faut qu'on check les deux voitures, là, la petite Arba 500 et. Ouais, ça va. Et la porte.
C'était fait exprès ou c'est un accident? Ça fait demi-tour. Négatif, c'est un accident, c'est un accident. Ok, reçu. Si c'est un accident. Allez, Alpha, ils sont en train de procéder au contrôle. Les autres unités, vous mettez en position autour d'Alpha. Attention, ça revient sur nous, donc restez sur vos gardes, les gars. Ouais, Slid en bas. Ah, mais non, c'est les autres de tout à l'heure qui vont à la boîte à cul. Les 6 véhicules. Oh, t'es pas fou, garde-toi sur le bas-côté, s'il y a une voiture. Est-ce que par hasard, vous pourriez me réparer mon véhicule? Parce que du coup, j'ai rien pour réparer. Moi. Putain, mais. Eh, hey, monsieur l'agent. Oui. Dans votre véhicule, vous regardez sur le tableau de bord, normalement vous avez un petit bouton avec marqué L, c'est pour allumer vos phares. Voilà, si je vous le dis, seulement la prochaine fois vous le savez, parce que c'est infraction au code de la route. Eh, hey, pour information. Exactement, on peut vous mettre une amende juste pour ça. Qui vient de dire ça là? Oh ben Dieu. De quoi? Oh ben Dieu, qu'est-ce qu'ils ont foutu? Allez, les autres unités, vous occupez pas du contrôle, vous occupez de la protection de l'unité qui contrôle. Pensez à mettre vos warnings. Vous surveillez bien 360. Allez-y, monsieur, passez tout doucement à pas, monsieur, vous passez à pas, 5 km maximum. Eh, Nico? Tout doux, loulou. Eh? Vas-y, monsieur, vous pouvez passer, mais tout doucement. Le fiston? Tout doucement, 5 km/h maximum. Vas-y, monsieur. À pas doigt, à pas doigt, à pas doigt. Monsieur, c'est moi, circulation, vous mettez sur le bas-côté, vous. J'engage les négociations avec les. Eh, tu fais quoi, toi? Monsieur, déplacez-vous, dépêchez-vous. Il est en train de fouiller la bagnole, les gars, là. Vous trouvez ça normal, là? Gilet jaune, excusez-moi. Pourquoi tu fouilles ma bagnole, toi? Pardon? Pourquoi tu fouilles ma bagnole, toi? Il a pas fouillé la voiture. Il a pas fouillé la voiture, monsieur. T'as fouillé ma bagnole, je t'ai vu. Ah, je pense qu'il y a dans ses poches. Quoi, si tu veux? On a pas levé les cochons ensemble, non? Hop, bah ouais, mais je vous permets pas de dire que j'ai fouillé vos voitures alors que j'ai pas fouillé. Bah allez, hop, hop, hop. Allez, à la boîte à cul, je vous l'ai déjà dit. Allez, hop, maintenant, on dégage bien là. Vous prenez de la place pour rien. Allez, hop, on y va. Suis les mouches, tu trouveras. Elle est où la boîte à cul, monsieur? Suis les mouches, tu la trouveras. Allez, suivez les mouches. Je crois que c'est la femme du commandant. On a du bruit tellement c'était claqué au sol. On écarte. Allez, hop, on dépêche. Claqué au sol. Claqué au sol. Salut Dylan, bienvenue, pas de soucis, t'inquiète. Bien pris de coma, bravo. On a lu le quoi? Notre coco. Tu veux changer d'escouade, faut le dire tout de suite. Toi n'hésite pas, un négatif. Ta gueule. Si tu veux aller jouer avec ceux qui sont en deuxième division, n'hésite pas à le dire. Un négatif, c'était un petit retard mental. Si tu veux aller jouer avec les districts, tu peux. Et du coup, ça sera pas dans la police. Hein. Comme si tu passais de la Liga à la district. Fermez vos gueules pour voir. Allez, on va vous passer devant nous. Ça va dessus. On va où là en fait? Ah ouais, c'est pas mal. Ça marche bien. Bah, Piagos là. Du coup, on fonce à Piagos là. Affirmatif, on va aller voir le labo de mec des fois qu'il nous attend encore, même si j'y crois plus trop. Ça me va. Ok, vous faites une com longue pour Cobra qui vient aussi dans l'Est. Ouais, Cobra, ils sont commandés par un général, mon commandant. Ouais, mais ça coûte rien de leur demander. Cobra de Viper. Alors moi j'ai A comme le monté petit. Voilà, pas les mêmes. Bon. Toutes les histoires vont bien. Maintenant on prend à gauche et à droite. Ah, c'est bon. C'était trop compliqué. Gauche, droite. Ah ouais, putain, compliqué. Gauche et droite. Oulala. Oula. Ah bah oui. Ah, je l'ai dit, hein, à gauche et à droite. Hein. Ralentis un peu devant les gars, je vous rappelle qu'on a le Strider. J'ai un peu, on a un GMC avec des mecs en beige à l'intérieur du PAX sur Attira. On aura besoin d'une unité. On est en fond sur Attira. Bien pris, on arrive. On a un GMC beige avec PAX à l'intérieur, le Sylvain. Bien pris, bravo. Le sud. On passe en canal 1. Baf. On repasse en canal 1. Oui. Passage canal 1, unité direction Attira, s'il vous plaît. Et du coup, moi, je vais mettre en canal 2 en droite seulement. Bam, 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 bam. Pam, 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 pam.
Oh ah, bah, bah, bah. On va passer en Twitch ASMR. Charlie, on ralentit, on vous attend, Alpha, bravo. Qui veut du ASMR? Il est en train de sortir la tira ou quoi? Mais c'est génial, je vais apprendre à jouer de la flûte. Ça fait 4 fois qu'on fait le trajet. Ok, bien pris. Copyright ça? Redfield, mets-moi une AR à la sortie sud de la tira. Et il y a encore un véhicule Viper qui doit passer. Voilà, après ce tuto flûte, nous allons passer au tuto trompette. Allez, on avance. Charlie, on va rentrer par le nord. Bravo, tu rentres par le sud. Donc ta carte, hein. Le véhicule est arrêté au niveau du... Enfin, en face du garage. Ok, bien sûr, on arrive. C'est du pack, ça, en vrai. Donc vous trouverez la partition en pièce jointe pour les de la vidéo. On ne met les gyros que lorsqu'on est au contact. Donc Vibe, Charlie, on va arriver en premier, c'est nous qui irons faire les sommations, les autres vous mettent en position autour. Ah ok, là c'est sérieux. Hop 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 hop. Allez, on va tuer du rebelle. J'ai pas mis un Hers ou c'est inutile du coup? Si, mais là au cop. C'est des mecs en beige, je crois avoir aperçu d'un, je suis pas sûr, mais les mecs ils sont bizarres comme tout. Ils étaient combien que deux? Trois, il y en a un derrière. Il y a un mec en beige derrière, dans la benne du bordel. Gauche, droite. De regarder à l'arrière, à la fenêtre. Télémètre. Un autre télémètre, ouais, mais le mec qu'on a vu, il sort à poil, il s'est dessapé, il était en beige tenue rampage. Donc fouiller le véhicule. Ouais, les jeunes. Enfin, on les a vus, quoi, donc. Je suis pas sûr d'avoir aperçu une arme, mais il y avait du gilet pare-balles en tout cas. Bon, elle se pose. Des deux qu'on reste en retrait au niveau de la RC. Pour tous les Vipers, vous mettez en position autour de moi. Je procède au contrôle. Un petit concert. Vous êtes prêts? Non. Quoi non? Mais non. Rien. J'étais là, je vous fais un petit concert et tout. Et vous êtes ok, on a une LSS qui fait notre health et... sur position belge. Pas mon gars, vous me dites non, mais moi, je vais bien écouter. Ouais. Pax. Ouais, Pax, sur la file. Sierra, on se décale vers la position de la health. Alors, c'est ce que j'ai fait avec l'harmonica, moi. Combien de temps pour tous vous mettez en position pour procéder au menottage? Bravo, tu viens sur ma position, il va nous falloir un autre véhicule pour extraire les packs. C'est le temps que vous arriviez. Ah, on a un. Non, tu peux Ouais, bah oui. Allez, monte. De Sierra, on tourne discrètement autour. On se met pas en place. Merci d'avoir follow la chaîne, bienvenue à toi, bienvenue dans la famille. Je t'invite aussi à nous rejoindre sur Discord et sur YouTube pour voir les vidéos, petit déjeuner ou dans la matinée. Merci à toi et bienvenue, mon loulou. Ok, c'est bien noté. Là. C'est PALI pour Trinité, besoin d'être sur la position urgent. Ouais, bah tu te démerdes, mec. Hein. Là, t'es pas derrière ça? Là, tu dis, on est en action, Tira. Des deux, on procède à contrôle quand personne vient. Non, tu leur dis, on est en action, Tira. Sierra Lead pour tout Sierra, on se dirige vers la demande de renfort du CPA, c'est reçu. C'est parti. D'abord, on pense là. Allez, pour Viper, on extrait BA, c'est parti. Bien pris, bravo. Une fois à la BA, reste uniquement l'unité Charlie qui va traiter les packs. Les autres vous foncez, du coup mon commandant, je vous laisse prendre la suite des opérations. Merci, moi maintenant ça me fait plaisir. À vos ordres. Avec grand plaisir, mon commandant. Allez, la cavalerie, on y va. Ensuite, Pierre Gosse. Reçu. Help me, baby.
De Alpha, on fait quoi? On s'arrête même pas, on fonce. Ouais, on fonce. Voilà toute la cavalerie là, vous vous arrêtez pas BA là, on trace direction sud de Pyrgos. Allez, c'est parti. Mais pourquoi il fait ça? Vous attaquez? Ouais, mais non. Pour l'unité Charlie, passage canal 2. Bah d'Alpha, on a cassé. Bah c'est moche. Lead Viper dedans. Sur écoute. Le mec sur position, c'était un Pax, il avait un M320. Bah tu me l'embarques, tu me le donnes, je le traiterai avec l'unité Charlie. C'est le sup. Tu me le déposes à la BA. Une fois que tous les packs sont déposés à la BA, Alpha, Bravo, Echo, vous faites ce que vous avez à faire, vous allez avec le CPA. Alpha, bien fait. Vous allez m'énerver. Je sais. Ok, go. Un bandage, quelqu'un peut finir de me soigner? Réparer, ça réparer. Vas-y, monte, tu pourras te soigner à l'intérieur si tu veux. Ouais, je termine. Allez, c'est parti. On a un champ d'un accra avec. Ouais. Allez. Vous êtes vous soignez-vous. Je suis justement en train de conduire. Encore? Des tourniquets, ça soigne directement les jambes par exemple? Quoi? Si on répare la pion de trace directement les jambes si elles se fait. Ah, je sais. Ouais. Et Garou, on a des infos sur ce qui se passe de sur Z? Je sais pas, on va être les premiers arrivés, je pense. Non, mais pas de loi sur. Non, mais pas en tir à deux, les GPS ont disparu de la carte, regardez. Faut suivre les Garou, hein. Faut suivre, pardon. Ah non, j'ai pas mis Garou, mais ça sert à. Ouais, c'est. Ok, t'es soigné ou pas encore? C'est bon, il est soigné. Moi aussi. Oh mais non, mais sérieusement! Mais putain! Ah. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Tu veux que je le fasse? Tu veux que je conduise? Non, c'est pas moi, c'était. Je sais, c'est la magie d'or, mais. Il se passe quoi là? Magie d'or. Ah, j'ai failli encore reprendre un véhicule, ça va, j'ai de la chance de pas avoir cassé, je comprends même pas pourquoi j'ai pas cassé encore. Paix, changement court. Oh là, faut que je me prenne une Red Bull. C'est pour nous ça ou pas? C'est la fréquence 1. C'est la fréquence 1. Reçu. Oh, information là, il se passe quoi là? Je sais pas, on a pas d'infos. Bon, ils étaient au sol ou ils en l'air? Je pense qu'ils ont dû se crash, je pense c'est pas possible. Mais on a pas d'infos, faut que tu, vous les contactez en longue, Dédé du coup. Viper pour CPA. Transmet. Information sur votre position? Code noir. Il y a plusieurs VL plus l'hélico à terre. On a besoin. Ok. Oh, tu fais moi une comme l'autre qui se dépêche à la BA parce que sinon j'en vire. Ah mais là c'est parce qu'ils ont plein de packs en fait à la BA, ils ont moins 4 packs à traiter. Ah mais double action, voilà. Ouais, c'est plus la merde. C'est dit, on aurait jamais dû lancer. Diablo pour Viper vite. Allez écoute. J'ai le retard pété, mes deux autres dragons sont morts donc besoin d'aide urgent. T'es où? T'es à la position? Prison là. Reçu là. Bah, fais-moi une com long qui se de dépêche là. En route aussi, hein. Pour les Vipers à la BA, essayez de faire très vite s'il vous plaît. Diablo, écarte-toi. J'ai mes cartes qui vont partir. Ils ont aussi perdu leur retour arrière, mais j'ai besoin d'aide. Y'a des bravos ou pas? De la BR. Pax au sol ou pas? Est-ce qu'il y a des Pax au sol, Deblanc? Normalement sous ma position, ouais. Il est tout seul, hein. On est seul, là. Ouais, ouais, bah oui, on est seul. Combien de Pax, Deblanc? J'en sais rien du tout. Tu te mets dans une colline à 500 mètres et on scrute à 500 mètres. Il est où là? Au-dessus de la prison encore? Ouais. Attends, je regarde. Ryan Loot, tu fais tirer dessus, Ryan Loot en dessous du. Attends, je regarde un peu, je regarde un peu.
On va essayer de se mettre par là. Je suis où là? C'est qui que j'enregistre ce truc? Il fait nuit, hein. Ouais, je sais. Il commence à faire jour, non, c'est bon, il commence à faire jour. Putain. Bordel là. Franchement. Trop naze. C'est horrible. Bah, on court à droite à gauche pour pas grand chose. Ouais, c'est ça en fait. Oh, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Comme ouais, ça qu'elle s'améliore, la police. Ouais, mais le problème c'est que les erreurs là ça perdure depuis quelques semaines. Par là, je prends la droite sur Panaga. Et on va rejoindre les autres troupes parce qu'on peut pas partir tout seul, c'est impossible. Ah. Les cobayes ils se sont arrêtés, je pense qu'ils ont cassé. C'est vrai. C'est terrible. On a perdu les GPS là. Quel GPS des... Ouais, ils sont morts. Ils sont crash. Ah, c'est eux qui étaient morts, putain. Ouais. Ah, t'as vu carte, Odor? Quoi? T'as vu carte, là ça sera à gauche, prochaine à gauche. J'ai vu, c'est pour ça qu'on peut pas approcher trop parce qu'on est seul là pour l'instant. On est tout seul, on fait rien. Sur les là, tu t'approches trop de la zone, je pense. Je peux pas vous aider là, les gars. J'ai le rotor pété, je suis en train de bouger dans tous les sens. C'est reçu. Les gars, vous recevez? Sierra, pardon. Ah, si, transmettez. Du coup, on vous attend parce que nous là, on est une seule escouade détachée de Viper. On a des cons, d'accord. Bon, parlez pas tous en même temps, les gars. Putain, travaillez ces putains de radios, sinon je vous vire, moi, c'est compris? J'en ai marre là. Là, je vous ai laissé maintenant une semaine, on s'éclate, on s'amuse, tout va bien. Maintenant, vous reprenez vos couilles en main, là, vous faites du travail de policier. Sinon, moi, je dégrade et je vire. Donc maintenant, toutes les unités, direction Mike sur CPA, on abat tout ce qui est à son place, on rentre et on débrief. Reçu ? C'est reçu. Merci. J'adore. Ah, ça, c'est de l'autorité, ça. Dire que t'en imposes là. Ouais, c'est bon, au bout d'un moment là, 50 coms en même temps, c'est bon. Information, j'ai repris l'hélico en main, j'ai aucune thermique en bas, mais j'ai deux hélicos qui sont en train de fuir. Donc je vais essayer de prendre en poursuite. Bien pris. Reçu, essaie de te poser, va te mettre en sécurité, Mike là. Bah, va te poser quelque part. Pour l'instant, ça va, donc si quelqu'un peut prendre juste un hélico, venir me remplacer et je vais prendre en poursuite, ça m'irait. Bien reçu, il y en a un qui me fait une com longue et qui demande à l'unité à la BA de prendre un hélicoptère avec tirant. Viper pour l'unité à la BA, vous recevez? Diable, fais un tracé sur le quart de ta direction. Diablo, est-ce que vous pouvez prendre un hélico depuis la BA et remplacer Diablo parce qu'il est en train de poursuivre mais il a le rotor pété donc il aura besoin d'être rapidement en hélico s'il vous plaît. Demande Mike s'il a un parachute. Neg. Demande-lui s'il a un parachute. Est-ce que t'as un parachute d'abord? Différemment. Tu peux réitérer ta com, Béli? Ouais. Est-ce que tu as un parachute? La fille en a deux. Ouais, tu sautes. Tu sautes et qu'ils voient et on récupère. Si jamais, non, mais si jamais ils ont besoin, ce qui se passe, c'est que du coup ils poursuivent parce qu'ils peuvent largement poursuivre, mais si jamais il y a besoin, on va prendre un parachute. J'ai fait le tour de la zone noire, il y a rien les gars. Ouais, j'ai rien non plus pour ma part. Il y a juste un point, c'est un point Pax ou... Est-ce qu'on tente de poursuivre les hélicos malgré qu'on s'en terrasse? Non.
pourrait avoir des infos s'il vous plaît? On n'a pas d'infos sinon on en donnerait. Fait Ali pour toutes les unités, j'ai un hélico qui vient de se crash sur la mine de sel. Bah voilà. On essaye de voir. Non, si, on a, le... si on a rien là-bas, on va faire un cercle dessus. J'essaye d'être plus précis. Franchement, aucune. On fonce des airs de sel là, il vient d'y avoir un crash des. Allez, à toutes les unités de DD direction mine de sel, on va mine de sel je crois, ou je sais pas quoi, là au mer de sel, où on va identifier l'hélicoptère et le PAX pour avoir une tenue. Ils sont crash et il y en a un coup qui essaie de les extraire. Sierra direction mine de sel, rapidos. Non, j'ai pas fait putain. Salut Joël, bienvenue, merci d'avoir follow la chaîne. Je t'invite à nous rejoindre sur Discord également pour les jeux en communauté sur divers jeux comme R6, etc. Et tu es abonné sur YouTube, sur la chaîne, pour revoir les lives et les vidéos que tu as aimées dans la matinée. Voilà, bienvenue à toi mon loulou, bienvenue à la famille. Merci à toi. Pour ta assistance, adieu. Ça reçu. Allez, foncez les gars, foncez, vous occupez pas de nous là, foncez. N'oubliez pas, c'est code noir les gars. Nicole pour Diablo à toi. Oh. Transmet. Tiens bon, on arrive avec un dragon. Tu peux l'enflip ou pas? Allez gaz. C'est mort, passe à toi. Le PDS, c'est besoin de le faire à chaque fois qu'on prend un service. Oui. PDS et FDS. Et fin de service tout à l'heure. C'est pas grave, on s'en fout. C'est le début de tempête et que t'as tout le monde qui est là. Bon. Tu l'as pas fait tout à l'heure? Non, comme je suis arrivé. Ah bah t'es viré. C'est ça, du coup. Bah désolé, Isna. T'auras fait une journée. Et puis bonne journée quoi. Au revoir, c'était un plaisir. Plaisir non partagé. Putain, t'es bien à retour arrivé. Et comme ça je sors et. Là on va le sortir bientôt. Ça casse, il y a même des valises là. Donc, ouais. Pourquoi il y avait un petit truc à droite là? Je vais chercher le. Donc les Diablo pour information ils se sont mis en tous dans un bird, on est en train de les suivre. Ensuite. Encore changer de radio ou... Ah j'ai pas la. C'est la langue, c'est normal. Laisse pas conduire. Écoute, il peut faire plusieurs choses en même temps. Sa mère, faut qu'il rentre manger. L'odeur c'est comme une femme quoi, il peut faire plusieurs choses en même temps. Je confirme. Si ça se trouve c'est une femme, il ne l'a jamais dit. C'est vrai. Puis des fois les cheveux longs c'est tout deux quand même. C'est vrai. Putain j'ai mal au cul hein quand même. Putain. Ah c'est un peu tape cul. Ouais, un peu, hein. Ouais, mec, téléphone et le truc au volant, putain, si jamais j'étais. Ouais, t'aurais plus de permis. Ah ouais. Et j'ai même pas cassé. T'as cassé avant sans le téléphone. Chut. On parle pas de sujet qui fâche. Je vois un chemin qui part à gauche, je le suis, je fais confiance. T'as vu comment on a frôlé l'arbre ou pas? Ça, c'est ça. Non, pardon, vu que je suis français, d'un rapide et furieux. Rapide et furieux. Jamais douté de toi. C'est mignon ça.
bloqué. Ah bah dis-moi, on va faire. Allez, choper la principale là, ça me sule. Ok, là on tourne un petit peu. Virage, 380 degrés, 1000 degrés, attention, on prend un petit travers. Le travers dangereux qui passe à nos fraudes, c'est passé, on prend zéro caillou, on continue, on avance sur le chemin de terre. Attention, le virage à gauche, à 60 degrés, une bien enclenché, mal fini, c'est pas grave, on récupère. Attention, le petit virage sur la droite, c'est parfait. Attention, le virage sur la gauche, mais c'est... Hey, Colin McRae, c'est bon? Ouais, je me suis pris pour Michael Schumacher, je sais pas si il y a comme une. Okay. Ouais. Si tu pouvais le faire tout seul, ton Schumacher, ça serait sympa. Allez, tout de suite. Pas vous juger comme ça. Bon, et là, il se passe quoi là? Ah, bon. Moi j'essaie de suivre l'hélico en voiture. C'est débile, mais je le fais quand même. D'accord. Vous avez une meilleure idée, commandant? Non, je suis pas dessus. Hop, hop. Et là, attention, désert de sel. À fond. Jamais conduit dans le désert de sel. On a un véhicule sur un position actuelle. RS6 Nord, direction. Direction vous. Vers vous. Direction vous. RS6 Nord, ça c'est, ouais. Je crois, gros. Contrôlez là, du coup. Affirme quoi, c'est. De toute façon, on est en full off-road là. C'est en premier de la mine. Voilà, toutes les unités terrestres, on s'occupe de la RS6 Nord. Qui te dégoûte le plus beau, c'est un. Ils ont récupéré des balises sur le sol. On est plus en Côte Nord. Assuré. Ils ont cassé. Est-ce que c'est réussi à tuer les véhicules terrestres, direction de fuite nord de l'est, Audi R6 noir, off-road et délit, refus d'obtempérer. Moi c'est pour toi, je prends le relais. Il est en face de droit. Et vous ? Il y a le pour d'aider. On se met ? Je sais m'envoyer une unité, je suis posé sur la mine de sel, mais go, je me crash. Affirmatif, Strider Medic, tu t'en occupes ? Affirmatif. Reçu, c'est fait, Mike, tu peux t'éjecter. Vous l'avez ? Merci. À gauche ! Oui, affirmatif. Ok, je le sais. Information, on tire ? Sur les machines. Monsieur. Dans le coin de l'île. Non, j'espère qu'il va pas faire ça parce que. Il est dans le camp. Dis-moi. Va le chercher. Il va le chercher, on va voir. Ouais, on va. On va prendre son nom. Vas-y. Ah, il est là. Ah, c'est là-bas. Il vient d'arranger en plus. Vas-y. Hop, hop, hop. Bouge pas, toi. Tu fonces dans le camp ? Tu viendras me voir après. Oh, madame. D'accord. Ça va. J'ai un moment. Attention ! Excusez-nous, les filles. Ça va, gna. Ah, comme ils sont pas roches. Bon, allez, on se casse d'ici. Quoi, je vais le chercher. Il a perdu. Bah, voilà, toutes les unités, direction. Lemmingbird, direction Sofia. Moi, je prends de l'essence en route. Alex Lopez. Ouais, Axel ou Alex, ah, ouais, c'est pareil. Il me fallait son nom parce que. C'est qu'il ne s'est pas vu ou quoi? Non. Si, bah attends, j'ai roule de ton. Le désert de sel. Là, le machin. Sierra, on remballe le BA. Ah, reçu. Je sais pas si ça vient de moi. Du coup, les gars, ça en est où pour le MHA, s'il vous plaît? On y travaille. Reçu. Oh. Qui ça? Information, j'ai réussi à me poser. Merci, Cédric. Non, rien, c'est normal.
La direction. Ils sont où, Charman? Bon. Est-ce que j'ai un modérateur de dispo là. Désolé les gars, je suis sur un truc. Charman, tu me ressens toujours en face de toi. Vous êtes où là? Vous êtes sur notre position? Qu'est-ce qu'il y a pour l'instant? Attends, on va voir ce qu'on fait. D'accord. La prochaine fois qu'on passe à côté, enfin pas loin d'un ATM, tu pourras t'y arrêter s'il te plaît. On fait quoi? On fait un retour bien nous aider ou pas pour l'instant? Ouais ouais. Ok bon bah les Vipers on fait un retour bien. Nickel. J'ai senti. Pour les Vipers on fait un retour bien. Il a pris chez son plein d'essence. Pour les Cobra on va passer canal 3 du coup pour tous. Hop, voilà, c'est bon, désolé, j'ai envoyé un petit MP Discord. Voilà, c'est bon. Attends un peu, bravo pour Doc. Test à l'eau. Monsieur. C'est le directeur de la UI qui demande s'il peut avoir un responsable AVA. C'est compliqué là. Vas-y, conduis, 2 minutes, j'arrive. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Toutes les missions. Allez, on bouge. Tac, tac, tac. Éteindre le stock. Les avances qu'on branche stock là. Oh. Information sur le HN9 là. Un ennemi abattu déjà, mais toujours le pilote vivant. On termine le travail. Bien reçu à toutes les autres unités, vous reprenez vos canaux respectifs et direction, ben, vous voulez souvent les leaders des squads. Allez, okay, Viper, vous passez canal 2. Pulement. Des vers de terre. Des vers de terre. Ah non. Dragon 3 contre ouais. Unité, changer de tous vos frecs. Reçu. Ah, voilà. Bon, allez. Il y a un Viper qui m'envoie une nouvelle fréquence. Viper, s'il vous plaît. Retour. Ok, je m'en occupe. T'entends quand je fais ça? Quoi? Attends. Ah, j'entends. En bleu. Frec. Et. Bâtiment. Nouvelle fréquence mise pour 4 pour les Vipers. Merde. De quel endroit? Bien pris, bravo. Au niveau de notre dispatch. En bleu là? Ouais. Odeur, ok. Bonjour canal 2. Ah. Ah ouais. Ah c'est bon. Merde, j'ai changé la... Quoi? Gouré dans merde. C'est bon? Ouais, c'est... Go, go, go! C'est quoi la nouvelle radio là? Ouais, j'ai mis sur carte. Je vais te la mettre pour toi là, je sais que comme un chien, c'est chiant. Thomas, toc! Go, bah, power, bah tiens, bah alors là, c'est un con. Moi, j'ai beau vendre ma bière, moi. Bah, bravo. Moi, j'ai fini mon café depuis. Oh, oh. Je peux conduire? Ouais, vas-y, conduis. Pourquoi t'es en train de dire qu'on te saoule là? Ah, c'est vrai. Non, tout le monde conduit bien ici. Je suis le meilleur conducteur du pilote.
Faut que je pilote Ouais, vous allez conduire parce que. On peut pas être partout. Allez où? Hein? Occupe du pilotage, mon grand. Là, on va. On va se moigner le cul, hein. C'est ça, le pilote? Descends, je pilote. Moi qui pilote. Baisse ton pilote. Baisse ta culotte, c'est moi qui pilote. Exactement. C'est bon. En voiture, Simone. En avant. Allez, on est reparti, c'est parti. En avant, Gagnon. C'est reçu, on arrive. C'est ce qu'il y avait, quoi, encore rebelle. Il y a du monde. Hein. Ils étaient chauds, les rampages. Ils étaient chauds. Ah, putain, ça marche pas. Ça marche pas. Ici. T'as entendu? Ah. Négatif. Putain. Qu'est-ce qui se passe? Que se passe-t-il là? Entendu IG ou... Non. Ouais, je l'ai pas allumé. Ah donc toi tu étais pas fidèle en fait? Bah j'entends pas moi en fait. Bah non en fait je reste sur pause pour me faire une vue sinon j'ai pas une connaissance suffisante en fait. Une vue. Bah ouais. Et tu sais que vraiment ça fait une vue en plus hein. Ah ouais, plus il y a de chances qu'il y ait de plus en plus de vues, donc VFK. Bon, t'as vu ce qu'il fait pour toi, Dédé? Ouais. J'ai fait des dons aussi, hein. Y a pas que ça. Et ouais, c'est vrai, il est gentil. C'est mon préféré. Est-ce que c'est lui qui a donné pour 50 balles, je le mets à poil? Non. Personne l'a donné. Personne? Non. Personne n'a donné 50 balles. Non. Personne. Quoi? Pour 50 balles, je te mets à poil? J'avais su plus tôt. Ils vont faire un pauvre truc de fou. Comme ça, je mets à poil, 100 balles, je mets à poil et je fais une danse Fortnite. Jamais je donne 100 balles alors. Bon, on a déjà assez vu les danses Fortnite. Et 200, c'est Dédé qui se met à poil avec une danse Fortnite. Oh putain, la gueule. Et après, je me fais ban Twitch, quoi. Après, je peux pour contenu à caractère sexuel. Au revoir, merci. Que c'est comme YouTube, genre tu dis tout petit mot. Non, heureusement. Sinon, il serait déjà ban là à cause de toi. J'en serais vraiment désolé, Lily. Moi, je m'en fous de YouTube. YouTube, c'est juste pour les gars. C'est juste pour leur permettre de regarder les lives. Ouais. Et normalement il y a les rediffs déjà sur Twitch. Non. Elles sont... je les ai désactivées parce qu'elles ne durent que 5 jours en fait. Ah ok. Ah pourtant je peux les... What the fuck? Pas plus tard qu'hier j'ai regardé une de tes rediffs. Bah ouais, que j'ai lancé. Okay. Est-ce que c'était pendant le petit déjeuner comme il aime dire? Non c'est pendant que j'étais en cours. Mais ça faut pas dire. Ah, pas bien. Bravo. Tu te rends compte? T'as vu ce que tu fais pour notre jeunesse, Dédé? Je suis pour. Je suis en triscolarité. J'ai sûr que t'es pas de toi, Dédé. T'inquiète, je peux la pourrir tout seul, ma scolarité. Et pour $1000, Dédé, il fait un live en direct de la boîte à cul. Oh oui! Ah, ça, c'est bête. Je fais une soirée boîte à cul. Ok, bah allez. Oui, là du coup je vais dedans, mais c'est ouais, pas... Pour le BDK, allez. Pour le BDK, d'accord. Le danseuse, enfin major. Pour le BDK, oui. Tu sais, vous pouvez me sortir des chargeurs de Sport CDS pour mon arme. Tout à fait. Ah putain, mais j'ai plein de trucs là-dedans, moi. Négatif, on prend la Wood Viper, comme je vous avais dit. Là, je me sens armurier de la police. Dernier. Un banque qui arrive bientôt. Oula! Il y a bientôt une banque, les gars. Il y a bientôt une banque, les gars. Vous avez vu, à tous, vous avez vu le message téléphonique, là? Une banque qui se prépare, les gars. Alors, gagnez du temps, équipez-vous, banque. Oh ouais, j'adore ça. Est-ce que t'as fini avec les trois derniers passes? Du coup, t'as le dernier. Voilà. Ok, nickel. C'est reçu ou comment ça se passe?
Oh merde, bon, bah, c'est pas grave, demain. Ouais. Merci. Est-ce que vous avez reçu? Pas du tout. Non. Négatif. Moi, je vous conseille vivement de vous préparer banque, parce qu'il y a une banque suivant un indique. Reçu. C'est fiable à 95%. Vous êtes sur quel? Bon, bah voilà. Infi. Quoi, je trouve pas les. Il te recèle le mail. J'arrive pas à trouver les snipers. Et tu mets assommé tout en bas. Mais je les ai pas tout en bas, j'ai que les scars. C'est quoi ce bordel? Putain, ça me gonfle. Starfoula, comme on dit en Bretagne. Putain, c'est pas ça en Bretagne. Starfoula, comme on dit en Bretagne. Pardon, on aura tout entendu. On aura tout entendu. Hein. Qui c'est? Ouais, franchement, ouais. C'est honteux. Ça, je m'en bats les couilles. Ça, je m'en bats les couilles. Ça, je m'en bats les couilles. Vous voulez bloquer votre rider, s'il vous plaît, mon commandant? Ouais, pardon. Quoi, tu veux quelle licence? Licence batteuse. Oh non. Ah, voilà. Non, mais non, mais non, mais non. Eh les gars, ma femme me fait un bol de M&M's. Comment prendre 15 kilos? Alors, c'est le nouveau live que je vais faire demain. Comment prendre 15 kilos? Ah, bah ça marche pas. Bah ça marche pas. T'as pas de chance. Pardon. Merci. Hein. Plus de place. Bah non, plus. Ah, plus de place. C'est moche. Quoi? On faut grader. Il y a beaucoup de striders. Bah oui, vu qu'on a un message qu'il y a une banque qui va arriver, forcément, bah on se prépare. Shift R. Oh putain, faut que je fasse le pain. J'ai quelqu'un avec moi dans la bagnole ou pas? Toutes les unités, je vais faire le plein à station tout seul. Deux, certains. Donc si je suis kidnappé, je crie. Non, j'ai le mien, ouais. Ma fille. Ouais, je sais. Ah, qui ça? Izzy qui veut des M&M? Hein? Qui ça? AD Lucas, tu me fais envie avec tes M&M's. Ouais. T'es bon les M&M's. Mmh. Lucas, c'est bon. Mmh. Non, c'est pas normal.
Désolé, j'avais coupé. J'ai faut que je m'habitue au stream deck, les gars. Merde. Vous entendez le coup de poing, là, quand je vous le mets, là? Pour info? Non, vous l'entendez pas? Je veux prendre 15 kilos. Ah bah merde, je reprends 20 là, à force. Putain, 1500 balles de carburant, con. C'est un truc de fou. Lui, on l'entend. Ah bah pas moi. Je sais pas pourquoi j'entends pas moi. Bon bah, Stream Deck il marche alors. Putain, moi j'entends pas les gars. Bon, je vais régler ça. C'est bizarre que j'entende pas. Oui, il est content. Bah oui, il est content. Et les gars, vous savez quoi? On sait pas. Non, rien. Moi je suis prêt à comprendre que vous écoutez. Ouais, d'accord. Tu m'as toujours dit que t'as besoin de pouce, bataille. Enfin là, c'est une caméra. C'est pas la merde. C'est pas faux. Ah, hein? Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Alors, oh. Ah. Oh. Ah. Oh. Ah. Oh, le cas. Ah, oh, il est craque, lui. Ah, CPA de DD. Apparemment une banque est en préparation, vous êtes dessus là pour faire un petit check? Affirmatif, on compte 6 ifrit actuellement. Ah ouais quand même. Voilà tout le monde, vous préparez Strider, véhicule, armement et on fonce. On les laisse pas se préparer là, on y va, go. Et prenez des lynx. Vu le nombre d'ifrit, tous ceux qui peuvent prendre un lynx et qui sont à peu près chauds, prenez un lynx. Ah ouais, je le prends, ouais. Mais si, moi j'ai accès. Non, pardon, excuse-moi. Toi, je vais prendre un lynx. Un lynx! Armement lourd pour tout le monde. Les gars, les gars, maniez-vous, hein. Ok, ça. Maniez-vous, hein. Armement lourd pour tout le monde. Mon commandant, vous pouvez équiper voilà. Une arme de type plus solide. Ah, Bok, tu parles là? Oui, commandant, s'il vous plaît. Ouais, j'équipe. Tu veux quoi comme arme? Bon, on apporte. Est-ce qu'on intéresse? Donc ça tire bien. Dédé, t'es là? Un flic. Y'a moyen que tu me sortes un lynx ou M320 avec des chargeurs, s'il te plaît? Un 320 et dans Strider. Non mais un pour Okai. Bah ouais, qui viennent sur moi là. Qui veut être 320, je vais lui en filer un. Non, Okai, va en bas. Je vais te sortir un véhicule avec un M320 dedans. Je vais déposer ça dans le com du coup quand même. Ah merde, je t'ai donné l'argent mais c'était Douglas. Ok d'accord, bah c'est pas grave, tant pis. Quoi, mais c'était tiens, Okai okay, dans le Audi. 45 000 gratos. Mais je t'ai redonné. Bah putain, il marche pas celui-là. Non, je t'ai donné 750 000 et tu m'as rendu et je t'ai redonné 75 000 parce que je pensais qu'il fallait que je t'en donne, mais t'inquiète. Ah putain, on peut pas mettre de... On peut mettre quoi comme viseur sous le Lynx? Lynx, on peut mettre AMS, enfin non, on peut juste mettre des viseurs longues, portées très longues. Et le viseur, le Kaliba, vous voyez, donc c'est un viseur très haute portée mais avec un petit viseur au-dessus, mais. À l'aide pas une... C'est une mire en fait qui est au-dessus du viseur. Ah. Non, si vous voulez un PZ pour le Lynx, tu peux juste mettre de quoi? Si vous avez le LRPS, il vous faut le DRM, il vous faut le Nocturne, et normalement déjà vous êtes pas mal. Et après pour le corps à corps, c'est sans viseur. Donc, tu m'as dit LRPS. LRPS, ah oui mais c'est bon, ouais. LRPS, MOS, DMS. MOS. Ouais. Par contre, est-ce que j'ai accès?
Et LRPS. Ok. Et MS, comment et le viseur nocturne, le NVS. Quoi ? Trois ifrites. Est-ce que si on a un sniper, là, voilà, on peut le prendre ou pas ? Pour la nocturne, normalement, il n'y aura pas de nocturne ce soir, mais bon, c'est. J'ai pas compris. J'ai pas compris. J'y disais, ça c'est pour la nocturne, le NVS. Ah ouais. Il serait possible d'avoir une arme. Pas grand deux pour DD. Attends, je vois. Transmets. Ah, j'arrive. J'arrive. Bah, quelque chose de lourd, hein, genre. Attends, je te retiens avec. Hein. Ma fille, vous prenez des batteuses 7.62 également. On en a pas, je crois. Attends, deux secondes, non, on en a pas. T'as que du 6.5 FM200. Vas-y, Maxime. Il se passe quoi ? Il y a une banque, les gars. Il y a une banque qui va pas tarder. On a une information téléphonique, donc on sait qu'il va y avoir une banque. Et on a la confirmation du CPR. Répondez lui à la longue que j'écoute. Putain. Ah ouais, on a quoi pour un coche par là par le trader. Ils ont quand même les frites. Ouais, c'est ça. Ouais, on a. Voilà, dire qu'est-ce qu'on a. J'allais dire le prix de l'équipe. Transmet. Transmettez. Du coup, de Dragon 2, on a actuellement 5 ICS qui sont partis. Il y en a un qui est en stand-by à Pyrgos qui est cassé avec LK. Reçu. Est-ce qu'on entendrait pas une embuscade au l'Ifrit s'il roule Dédé? Bah si. Ouais. Il a dit bah. Ouais, j'ai reçu. Merci. Dédé. Voilà. J'espère que t'es prêt hein, parce que moi je peux vous faire simple ce soir. Écoute-moi bien, toi, petite tête de mort que t'es. Oh, vous êtes tous équipés là, c'est bon? Deux docks, je suis en train de soigner le blessé dans la merde. Ah, ouais, il me faut un lynx pour tirer sur Zico s'il y en a un. C'est qui parle? De Snipe. T'as ta forma Sneed? Ouais, mais avec mon AM4, s'il y a des ifrites, je ne servirai à rien. Il l'avait! Dédé, tu me reçois? Ouais. Je lui sors un lynx ou pas? C'est toi qui décide. Il y a combien de lynx en dessous là? 3, je crois, 3, 4. Un lynx par ifrit. Ok, donc Sneed vient sur moi. De Sneed, bah voilà, vous savez pas à quel point vous le rendez heureux. Je suis au milieu, hein, au milieu de la bière. Pas à quel point tu le rends haut, Dédé, là, le petit. Ouais, je sais. Calvin, arrête-moi cette érection que t'as là. Attends que je tombe au premier coup. T'as 13 ouais. Chargeurs, c'est bon, je pense. On se dépêche, ouais, s'il vous plaît. Là. Merci. Qui c'est qui vient de passer officier là? Ok. T'as plein de sous-lieutenants Dédé, à toi de choisir. Bah justement, je veux les noms. Ok. Je sais pas moi, je suis pas. Il y en a Kanamo chez la Cobra. Kanamo, Kai, je sais plus. Diablo, ouais. Félicitations Kanamo, tu prends le lead des opérations de la banque. Ouvrez la barrière. Ah, je vais grossir, moi j'ai les manettes. Quittez-les directement à l'étage de la BA. Qui dit tout? Oui, l'étage. Hein? Qui le dit tout? Sneed, tu me reçois? J'avoue, c'est la seule. Tu veux une LRPS hein. Ou pas? Bah, on en a déjà un avec le. Ok, ça marche. Ne vous inquiétez pas, merci. Et tu peux me tutoyer. Elle est en. Allez, t'inquiète, ma gueule. Il vient de sortir, hein, t'inquiète ma gueule. Quelqu'un a guidé la sécurité civile? Regarde, lynx pompe, je pense qu'on pourra faire un bon travail. La fille, on l'a appelé parce qu'on est en commun dans la BA. La fille, c'est moi qui te demande. Mais j'attends surtout qu'ils arrivent. Ils sont là, je crois. Un ifrit, il vient de voir pompe, en 10 secondes. Ouais.
Je faisais tête avec lui. C'est ça le problème. Quoi? Bon, on se dépêche s'il vous plaît là. Kanamo, tu m'ençois? Kanamo. Coucou mon commandant préféré. En attendant, je crois qu'il parle à... Mon fils. Vous êtes très beau. Je sais. C'est le, lui là, c'est mon fils. Vous m'impressionnez plus en vrai qu'à la télé. Tu l'as fait avec qui? Sa mère. C'est qui sa mère? Par contre... Sira, vous êtes là? J'ai plus son nom. Quoi? Ouais. Commandant, c'est allô, vous qui mettez les axes pour le sniper ou quoi? Non, c'est moi, ouais. c'est moi qui le mets. Et ça marche pas, gros. Pour Sira, on s'y prêt à partir. Je viens de le mettre là. Là, il y est, donc je pense que pour la prochain réveil, là, ça sera bon. Là. Je pense que du coup, c'est trop court. Faut aller voir Martine. Je vais le voir. Vous partez pas dans 30 secondes, j'espère? Si. Oh, bah, je vais pas aller voir maintenant. Et pourquoi? Mais il t'a filé son 1%, non? Oui, mais ça me gonfle que j'y ai pas accès. J'ai pas demandé à chaque fois. Bien sûr, non, mais là, t'auras pas demandé à chaque fois. Normalement, pour le prochain coup que tu feras ça, ce sera bon. Pour la prochaine tempête au pire des cas, ce sera bon. Parce que là. Ouais, là quand je joue, je fais les langues. Et quand je joue pas, je prends les doigts. Sur toi, en fait. Sinon, j'en fous partout, tu vois. C'est chiant. Tu mets tes doigts tout gluants sur moi. Ouais, j'aime ça. Je recharge la page. T'aimes pas? Attends. Moi? Est-ce qu'ils m'ont bien fait les idées quand t'es petit, là? Ouais, de la thune encore. C'est énorme. Moi, je veux bien toucher vos doigts, commandant. Ah, tous ces suces-boules. Et non, je l'ai toujours pas. Ok, non, le doigt, c'est que tu me diras quand tu seras sur le. D'accord. Bien, je te la mettrai à minuit. Ah, je vais te mettre un coup de boule. T'es prêt? Allez-y, j'ai le casque. C'est génial, hein, j'aime bien. Dans la caisse. Je sais pas qui c'est qui parle, mais si mets ton arme dans la caisse. Je pense que le lieutenant, le commandant te fumeront juste après. Par contre, bon, fumerai juste après. Faudra faire monter. Autres autorités nil que c'est dommage qu'on ait plus de batteuse en 762. Ah, c'est parce que c'est une volonté. On a plus partout. Non, c'est pas une volonté, je suis pas sûr. Il y a juste de la K12 et de la KM en 762. Sinon, vous pouvez m'expliquer un truc là? Je peux savoir pourquoi tout le monde se traîne la bite là? Ah bah non, regardez Viper, on est prêt. Hein. En fait, Viper, il y a eu un blessé, donc là, ça a ralenti les unités. Là. C'est vrai que là, pour qu'il y ait autant de. Ça fait 10 minutes quand même. Ouais, regardez mon lieutenant, comment il est beau là, 105. Commandant là, c'est trop beau. Ah, c'est beau. Il y a une banque et que la banque n'est pas lancée. Ouais, c'est bizarre. C'est pas un piège là, ils vont nous attraper au milieu de la route et. Ça va les copains. Bah, c'est pour ça qu'il faut faire du son. Vous avez votre côté de chargeur là. C'est beau 105, non? Est-ce que c'est Viper? Je prends quoi comment? Parce qu'on m'a demandé de changer, mais je prends quoi? Savoir, le sac, ah, un sac, la tenue, pas la tenue. Moi je serais pour pas de sac t-shirt hein. En mode vacances. Moi ça m'arrange, moi j'avoue que ça m'arrange d'être comme ça parce que. Y'a plus d'espace, allô, et sachant que tu. Bah quoi? Bah tu prends l'armement qui est dans ton shop. Ok, je verrai ça, je vais le noter, je vais. Ouais, mais quoi comme arme? Bah je sais pas. Ce que tu veux, tu. J'ai pris une XM8 et on m'a dit de changer. Si vous êtes. Eh bah prends une XM8. C'est moi mon. Prends une XM8, un truc que t'as dans ce shop. T'en as fait quoi de ton arme? Bah je l'ai dans la caisse là-bas. Là, bah reprends là. Oui, non, moi le problème c'est que j'aurais pas cette place pour le charger. Merci mon petit creepy, merci de ton abonnement mon loulou, ça me fait plaisir. Et ma nénette te remercie aussi à sa façon, merci et bienvenue dans la famille privilégiée des abonnés. Merci à toi. Merci beaucoup. Faut prendre le petit bouclier. Ah ouais? Mais t'as du style Mike, tu sais. Ouais je sais, merci beaucoup. On se magne. D'ailleurs elles sont plus belles les tenues police que les tenues OG. Elles sont plus belles les tenues police que les tenues OG. Ouais, parce qu'on avait un ministre qui était rien pour putain, quoi? Tous les Irak qui ont un MP5 venaient armurier. Hein? T'as un pont qui a été intercepté avant? J'ai pas compris. Attends, reviens, on va se mettre à fond. La scène il a pas de place. Pourquoi t'as intercepté le convoi avant? Bah, j'aimerais bien déjà quand tout le monde sera prêt. Et tu sais où ils sont actuellement là ou pas? Non. Parce que le truc c'est que je vois bien passer ma PM, ma PM avant, mais. Ah ouais. Bah écoute, tu la placeras à bon vouloir quoi. Ouais, bah c'est ce que j'ai dit. Voilà. Un peu, ça va être à la volonté. Ouais. C'est toujours vous qui ramassez l'argent des amendes ou pas? Ouais, toujours, ouais. Impeccable, ça marche. Bon, bah, ok. Je vais faire au feeling quoi.
Ouais, ouais, c'est ça le problème, c'est le feeling quoi. Là, attention, là, je regardais, hein, j'ai pas le choix là. Je vais en mettre une à l'entrée de la presqu'île, mais ça va être compliqué. Non, pas là. Ils la connaissent. Ouais. Bon, coups, ça va être ici là, sur la, ouais, la poignée de 51 là, où il y a le point d'interrogation. Ouais. Est-ce qu'il est là pour changer? Ouais. Moi je mettrai ça aussi elle là. Elle sera pas du coup à Eugenio là, comme d'habitude, elle va être à l'église là sur la. Tout à fait. C'est à ton initiative, Major. C'est pour ça que t'es Major. C'est pour prendre des initiatives. C'est pour ça. Ok. Ouais, ouais, c'est bon. Bonjour. Salut Doc, ça va ou quoi? T'as votre moustache, ça me fait toujours autant rêver. Oui, du coup, petite information. Vous voulez mettre une PMA où? Ouais, c'est avec mon Doc. C'est ce que j'étais en train de prévenir. Pour l'instant, en fait, techniquement, c'est bon. CPA, information. CPA, vous avez info? De Dragon 2, on a actuellement visuel un hélicoptère qui est posé en CE. Pas un hélicoptère CE, mais un mec en CE qui se pose en hélico. Deux L4, trois L4 plutôt, et ils sont en train de se mettre en position dans la branche. Bien reçu. Bon, à toutes les unités, soit vous bougez le cul, soit je vous prends comme comme haute trahison parce que vous attendez exactement que les rebelles se placent pour qu'on nous on meurt. Alors action. C'est bien pris avec nos bras, on va se prendre une carte et on va s'en donner. Allez, à toutes les unités, départ. Allez, à toutes les unités, on décolle. Calamo, tu prends le lead des opérations en tant que sous-lieutenant, tu vas montrer ce que tu sais faire. Mikiwe, tu prends Viper et bah, Cobra, vous débrouillez. Affi pour Cobra, je prends le lead affirmatif. Calamo, tu me reçois? Affi? Tu prends le lead des opérations, François? C'est bien pris. On va montrer un peu comment t'as les grosses couilles toi. Ouais, c'est moi que j'ai des grosses couilles. C'est reçu. Doc Polanski. Parfait. Les points Charlie, Alpha, etc. C'est des points clean ou c'est des points à check? C'est des points à faire gaffe parce que sur Bravo on avait un hélico TE qui s'était posé. Bien pris. Tu pourrais faire un check de la zone? Affirmatif. Ouais, mes couilles ils sont pas les gars, c'est possible, moi je suis le seul qui atterrit à foularder dans la guerre. Bon, j'invite tous les rampages sur mon live à ne pas faire du stream stalk s'il vous plaît, même si ça donne envie de le faire, mais non, ne soyez pas stupide. Voilà, j'ai exprès de pas donner l'assaut tout de suite aussi pour que vous puissiez avoir le temps de vous préparer. Donc voilà, bon allez, bon live, bonne banque à tous, surtout au rampage et à nous aussi. Et bon courage à tous. À gauche ou à droite? Non, vous avez dit que c'est un sniper, c'est pas un sniper. Allez, est-ce que vous êtes à l'abordage? Par contre, faites attention, il y a un point d'interrogation. Ouais, c'est normal, c'est les plaines. Changement de langue, les gars. Alors, ce qu'on va faire, déjà d'entrée de jeu, on va se positionner sur une colline, on va spot de loin à travers les murs et on va tirer si on peut tirer, ok? Ok, j'ai des RPG. Je pourrais tirer un peu. Ah, bah oui, j'ai pas changé encore. Mon petit creepy, tu fais point d'interrogation Discord et tu prends le lien Moonboot. Ma modératrice va t'envoyer. Ouais. Ouais.
pourrais t'emprunter un des deux snipes? Ouais, tu prends les M320. Reçu, chef. Ouais. Tu prends le lien Moonboot, hein, Crépy. C'est quoi la longue là? La longue elle est sur. Comment? Je peux pas l'avoir. Oui, bien sûr. Ok. Allez, c'est parti. Moi je me mets en position extérieur mur en hauteur. On va commencer à snipe devant. C'est quoi ici? Voilà, ça a dégommé. CPA de DD. CPA. Transmet. Allez, faites-moi une petite soma là. Et libre à vous de vous occuper des sliders. Des hélicos, pardon. Affirmatif, pour information. CPA pour information sur ma position L4 derrière vous, reçu. C'est reçu. Ah, Zaros. Ouais, carrément. Bah, t'as combien de kilomètres par? Là, je suis à fond, ça va. Ouais, à peu près. 2000, hein. Si vous snipez au deux, je crois que vous avez... C'est ça. T'as tout compris. Moi, je suis hyper long. Je vais poser tout ce qui est les belles shots. Je vais poser... James, tu peux aller sur DD au mur pour l'L4? Je vais faire un check, il y a 3 ifrits autour de vous. Il y a un ifrit qui est caché juste derrière un mur. Vous savez monsieur, on est validé par le ministre. Hein. Ah bon? Bah je suis content. Viper pour CPA, transmettez. Tu nous as signalé des ifrit au niveau des Strider Viper. Afi, à l'entrée de Dreamer, il y a un ifrit qui est arrêté à côté de la porte et il y en a deux autres qui tournent autour. Ok, bien pris. Ok, pour tous, vous mettez en stand-by, on va voir si on peut pas traiter les... Afi, tu pourras, il faut mieux se mettre en, sur les hauteurs, il y a mieux moyen. Ok, bien pris. Donc tous les Striders stand-by pour l'instant, je vais essayer de prendre les hauts. Alpha également, vous venez, je pense que vous avez des TE, on va voir si on peut pas commencer à neutraliser les ifrits avant de traverser, ce sera plus intelligent je pense. Ah si, on est placé sur la plus haute tour de Zaros du coup là pour le moment pour essayer de prendre des visuels. Ah non, mais faut qu'on aille là, faut qu'on aille sur Bravo
Dédé. Bah oui. Et là, là-haut, là-bas, là. Oui. Oui. Ok, bah d'accord. C'est bon? Mon Hugo! C'est bien pour les étés Viper, il y a un véhicule qui s'est rajouté au deuxième. Bien pris, on va voir si on peut pas les traiter avec les snipes. C'est bien, on a réussi à faire bouger les fêtes qui étaient collés au mur. Mais les fêtes, ah mais non, fallait pas me le faire bouger les gars! J'ai un problème, c'est que j'ai plus en plus. Alors regarde si t'as pas un garrot. Comment c'est ça? Ah, rien. Ok. Ouais, enlève-le. Essayez de pas m'exciter, c'est Ifrit, le but du jeu c'est qu'il bouge plus pour qu'on puisse dévitrer. Affirmatif de Cyper, on s'occupe des Alcabia. Ici là moi j'en essaie de là-haut là, tu vois, genre on est loin. La grande là, après on est loin. Hein. Sur le croix alpha c'est. Regarde là, sur le... Alpha, oh ça fait loin là. Non, on est bien. Bah, tu veux qu'on essaie d'ici? Ouais. Vas-y, go. Bon, tant pis. Qu'on fasse des tirs groupés, hein, si jamais. Ouais. Ah, ouais, si tu mets là, peut-être tu mets là. Et non, j'ai pas de visu d'ici. Ok, moi j'en ai un. Ok, bah attends, on va se mettre en double. Ok, dès qu'il sait, regarde. En 138, dès qu'il s'arrête, 2 Ifrit. 3 Ifrit, 850 mètres. Le premier qui s'arrête, on défonce. 850 mètres. Vous avez un L4 qui est 2 L4 qui vont arriver derrière vous. Hein? Juste au-dessus de toi, du coup, parce qu'on va devoir faire au niveau de la même. Ouais. Ah non, je peux pas, faut absolument que je me pose moi. Je vais me mettre par terre, en dessous. Par contre, je vous préviens, je vais sûrement être coma parce que je vois vraiment tout blanc presque. T'as pas une morphine, Dédé? Si, viens. Viens, Hugo. T'as enlevé tes bordels là? Bah, je crois pas en avoir. Attends. Je sais pas. Non, c'est bon. Merci. Ah, pardon. Dédé, tu peux me donner un azimut pour les véhicules? Bah ils sont partis. Bon les gars, faudrait peut-être, je sais pas, faire quelque chose. On va peut-être rester au cas où ils reviennent vite, hein. Ouais, mais le problème c'est 5 minutes, non? Mais genre vous y allez, nous on défend au snipe, s'ils y sortent. Là ils sont partis vers où là? Quoi, Dédé, on bouge ou pas? Ouais, on bouge. Hein. Ouais, on bouge. Est-ce que t'es en secondaire sur la 2? Ouais, non. Qui donne plein d'infos depuis tout à la rocaille. Ouais, j'y suis. J'ai oublié de tuer. Oui, j'y suis là. J'adore ce moment-là. Transmet en. Transmet en secondaire, non? Ah. T'as reçu en secondaire? Ok, Cobra, vous me recevez? Cobra, vous me recevez? Cobra? Cobra, vous m'en servez? Bon, avec Viper, on va tenter une percée sur l'entrée principale, gauche-droite, vous nous couvrez. On est au-dessus de la ville. Ah, reçu. On reçu.
C'est père, vous nous couvrez? On doit pas connaître sur la position. Oh là là, mais tu fais quoi toi? Montrez bien qu'il est très bien. Là, je suis en train de en vert sur la presse de la zone des ifrites, les différents ifrites, ça va là où ils pendent. Ouais. Jusqu'à 3h27 de votre tard. Voilà. Là, c'est l'idée que je connais. Oh putain. Ifrites dans la base. Bon, j'ai besoin de couverture. Attention, elle est catonne du Nautilus. Ok, on sort, on sort, on sort, on sort. On va le faire un peu plus loin, on peut le faire beaucoup plus loin. Au niveau de la tour armée, près de la présence. Ah, de comment on se fait des shoots? On prend des shoots du L4, ouais, c'est ouais, là. Lynx, faites attention. C'est bien, on a besoin d'aide là. On est là. Non. Il est mort, c'est mort, bien joué. Bien joué les gars. Il y a le passager qui est encore vivant, non? Non, les gars, il est encore en vivant. Non, c'est écrasé, oh, les gars, ça c'est. On continue, on reprend. Allez, on reprend la même technique, les gars, on les attire vers nous et après on y va. Oui, pour 4. Au pire, Alpha, je vous propose de rester sur la plage le temps qu'on traverse, comme ça vous mettez en place vos snipers si les frites reviennent. Bah, les frites là nous attendent, là, si on y va, ils nous attendent. Ah, puis c'est pour ça, il faut traverser. Alpha se met en position de sniper et la smat dès qu'il s'arrête. Alpha, dès que t'es en place. Pour information, il y a deux îles et une troupe de chiffres aux apports. Deux docks, on va se passer aussi sur les coins à côté. On va tenter quelque chose. De Dragon 2 pour Viper, si vous avez un sniper, j'ai mis un point sur carte. Point sur carte, où ça? TE. Il est où? Je crois que TE. 1,8 km. 1,8 km, point TE vert sur carte. On va pas être loin. Pour l'instant, vous pouvez avoir le feu vert si vous voulez, si vous êtes près du mur, y'a rien qui vous empêche de passer. C'est sûr que depuis tout à l'heure, on a un ifrit qui bouge. Bah, il revient. Allez, pour les Vipers, là, tous les Striders en traverse, sauf le Strider Alpha qui nous couvre avec ses snipers. Reçu. Est-ce que vous êtes en place, Alpha? Faut qu'on reste ici, non? Affirmation. Allez, vous nous couvrez, on retraverse, si jamais ça s'arrête, vous cherchez pas doucement, les gars. Vous inquiétez pas. Ouais, par contre, si jamais c'est collé au mur à gauche, on pourra pas le voir. Zone carte blanche. On verra, on va essayer de les attirer, pour l'instant y'a personne, donc on se dépêche de traverser. Y'a quoi sur la zone blanche, là? On sait pas. 4 ifrites. Information de Dragon 3 pour des. On se met. Y'a rien qui arrive vers vous, vous pouvez y aller. Allez, merci. Alpha, vous pouvez traverser, on vous couvre. Merci. D'abord, tout le monde est dedans? Ok, je lance l'approche. Non, c'est bon. J'ai besoin de couverture, les gars. Allez, on va couvrir Alpha, les gars, allez rapidement. Les deux ifrits arrivent sur vous. Il est où? Ils sont par où ils arrivent? Oui, tu peux, là, c'est le collection à côté. Sniper, allez. Allez, pour les Vipers, on se prépare à sortir, alors mettez des coups de snipe. Défense, France. 4. J'en veux plus, attends, je bouffe et je bois. Moi, je vais crever. Génial. Ok, c'est bon, je suis sur la plage. Pour Charlie, on a les ifrites qui sont en face de nous, en dessous du CPR.
On reste groupés les gars, il n'y a qu'en groupe qu'on arrivera à faire rouleau à pâtisserie. Affirmatif. Attention, l'Ifrit revient sur le coup. Ok, je le vois, l'Ifrit rouge en face. Tu veux y aller là-dessus? Comme tu veux. Donc pour l'instant, je suis bon, hein. Là je peux toucher des Ifrits de ma position, tu veux. Sur ce stade-là, alors pour ça, il n'y a pas besoin de voir ça. Il y a 3 Ifrits regroupés sur le LK. Si je descends pas, je vais faire un échelle de garde. Allez, je vais quand même sur votre position, c'est vrai. Ils vont essayer de se le faire. Allez, on remonte. Go. Non. Pardon. Ah, à notre gauche, on en a un. Derrière nous. Non. Où est-ce en fait ? À droite. Et c'est droite, ok, parfait. On a deux à droite. Test radio. Attention, vous avez une position qui est arrivée. Sur votre droite, les trailers. 4 trailers avant. Dis-moi si on s'arrête. Hein. Ah ouais. Allez, on resserre les taux, les gars. Merci, bravo. Attention, on descend. Un dragon, est-ce qu'il pourrait aller voir sur la balise? Oh non, mais non, mais non. Quoi? Attention, monte alors, monte. Vous avez un Ifrit qui vous contourne, qui arrive dans votre bac, attention. T'as tiré sur Hugo? Ah. On a pas le dire, collègue. Il était mal étonné. Oh, c'est vraiment bizarre. Bah oui, c'est un jeune, je comprends, je sais pas. Mais non, mais c'est moi, je suis dégoûté là, putain, je suis dégoûté. Regarde, c'est pas grave, c'est pas grave. Sortez pas, les gars. Attendez qu'il fasse l'erreur. Oui, j'ai l'unité, ça manque, putain. Ah bah j'en ai eu un aussi. Quoi? Ah oui, j'en ai tué un aussi. Ah ça me dégoûte là, putain. Allez, de l'escadron Alpha Bravo Charlie, là on resserre les taux. Bien pris. Bravo. Bien pris. Il recule, nous on avance. Là il se disperse, t'inquiète. Qui vous encercle. Il repart de direction banque. C'est qu'ils ont chargé. Vous en avez un seul qui arrive à faire. Odor il t'a tiré dessus, ouais, t'es passé devant son canon. Écoutez. Oh ça me dégueule, je te jure. Il y a plus de calibre. Il est tout seul celui-ci. C'est comme ça. Ok, on garde la hauteur les gars. Est-ce que vous confirmez présence d'un TE avec Lynx ou quoi que ce soit sur le château?
À un moment donné, il va passer là. Ok, on va choper l'Ifrit gris qui est isolé là. On s'est pris. Hein? Ouais. Pour tout, attention, l'Ifrit, il y a un des Ifrit où il y a 4 packs dedans. Rouge ou le gris? Ah, aucune info, je crois que c'était un des verts. Ok, dès qu'ils s'écartent, on les encercle. C'est une voiture aussi. Ah, les frites qui sont en train de s'éloigner. On les laisse s'éloigner, on s'en fout. Nous, on se concentre sur la bande. Ok, là, il a nous. Merde. Oh. Information régulière 4-2 sur le fort. Reçu. Donc ils sont certainement dans les tours armés ou quelque part dans la forêt. Sous Dragon 2, on en a un qui a une roue pétée sûrement. Ok, reçu. J'ai l'Ifrit rouge sur ma position. Tiens. Non, tout droit. T'es prêt? Ben non. On remonte. Ouais, oh! Oh merde! Oh! Oh bah voilà! Putain! J'ai fait de la merde. Mauvais timing. Et moi j'ai fait de la merde avec Echap. J'ai fait de la merde. J'ai embarqué Cédric, je pars! J'ai embarqué Cédric! Besoin d'aide. PMA, elle est. Sorti pas de kill, elle est à Ricard. Bélic, quoi. Ouais, le timing. Ah, de bras vendus. Même moi, je suis blessé. Ouais. J'avais besoin d'un ami quand je serais dans l'eau, les gars. Y'a pas de soucis, on va s'en récupérer. Tu prends pas la tête, à la limite, tu le poses sur le bord et je vais le récupérer. J'arrive à sûr. J'arrive aussi donc c'est toi qui vois. Ouais, je suis en train de venir. Tu me levais à la sortie direct, je repars moi. Bon, je te sors sur la plage droite. À gauche. Ouais, juste en face de moi là, si c'est possible. On est à peu près caché par les collines donc ça va le faire. Ouais, je t'invite, Mayron, t'inquiète. Il est dessus. Ok, Elias, tu me fais une cam quand il est droit debout. Je vais le chercher. Ouais, je vois un hélico qui vient de se casser de la PMA. Cassé ? Ouais, il fait du tout là, l'hélico. Ouais. Faudrait demander au CPA, tu peux demander. Ça va, ça va. Et toi, ça va? Moi, ça baigne. Attends. D'abord, ça va. Je vais se remettre en. Moi, quand tu veux. Je vais voir qui c'est qui est cool là. Le cobra, ça t'a une technique. Donc, pour info, hop, hop, voilà. Tous les mecs présents ont. Bon, j'ai pris un screen de. Du chat, voilà, et des mecs connectés. Au cas où, on sait jamais. Là, on a un blessé, mais il peut être absolument safe. Comment je prends le véhicule léger? On se chie. Ok, il y a des effets sur les ok, bon, on a assuré, les gars.
Lemming Bird par contre au-dessus. Il avait pas l'air d'avoir deux tirs. Ouais, mais c'est le mec qui était. Est-ce qu'il est sur le Tech Down ? Non, ça va, putain, ouais. Hop là. Je stream sauf que t'as mort. On a réussi à soigner des dégâts ou pas ? C'est un coup. Odor, tu tiens prêt à aller récupérer Dédé. Ça reste. Là, tu te mets entre. Je me mets dans le truc ta vie, y'a pas. Ils sont où ? Ils sont là. T'es où, là, exactement ? Il est con, lui. Il joue même pas, il raconte de la merde. C'est énorme. Tu le sors ? Tu le sors. Ah. Quand par hasard, ma phrase a fait fuir 4 mecs. C'est bizarre. Je peux pas le sortir. Il est où ? Là. Ah non, 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 reste, 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 reste. Il est stop, prends tension. Pas de push, reprends sa tension. Bonne tension, un peu choc. Dès qu'il se réveille, je lui mets deux zones de... Ah ! Oh putain. Je regarde. Merci, mes héros. Je regarde. Ok. Ouais, ouais, c'est plus simple. Hop, c'est bon pour nous. C'est bon ? Allez-y, go. Ah bah merci. Bon, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Non mais comme je disais, je m'en fous que les mecs regardent le live en action mais qu'ils l'utilisent pas. C'est tout ce que je demande en fait. Tout le reste je m'en fiche. C'est juste ça. Et là c'est pour ça que je communique en langue avec la salle. Désolé. Casse pas. Non. Le dragon 3, j'ai perdu mon tir. J'ai une petite blessure mais. Il saigne un peu. Ah, de Cobra, les frites le Strider cassé vont monter chez nous. Le dragon, je suis plein d'émotions. Qui c'est qui n'a plus de tireur de dragon ? Dragon 3. Bah, tu peux même récupérer si tu veux. J'arrive. Ah, je suis en train de relancer un parapluie sur la position du Red Bull. Attends, il va me récupérer un hélico. Ouais. Sinon, tu veux que je le mette en TE là où j'étais ? Ouais. Il se met dans deux places pour Velik. Pose-moi là, ils vont me récupérer. Au niveau de la... Ouais. Ok, Dragon 3. Merci les gars. Ok, de Dragon 2, je vous ai mis un poids Pax blanc, il est dans la maison. Allez, c'est parti. Merde, j'ai pas de casque. Oh, tant pis. Nickel. Et quand tu recharges et comme ça je peux te faire. Un big mort. Hein. C'est muté de me l'extraire. Négatif. On a 3 stagger qui tournent sur notre position pour rien. Vous pouvez sortir en T1. Ça va aussi pour ton mec. Ok, un down. C'est compliqué, tu vas mourir, il y a des mecs, Pax, pan blanc, deux mecs qui nous visent la zone. Avec quoi ? Snipe. Ah mais attends, du coup il est mort ou il est juste... Il est coma. Il est coma. Je confirme, je vais essayer, dans la maison. Je vais essayer de venir mais ça va être compliqué quand même. Faut DG Spax en fait. Négatif, il y a 3 Snyder qui sont sur la position en train de tourner en rond autour de lui. C'est Odor Smoke non ? Je suis pas Odor, affirme. Essayez de les faire bouger les gars. Affirme, on essaye de les faire bouger. Ouais peut-être, t'es trop près ouais. Sinon t'auras plus
Ouais, bouge pas. Ah, trop tard. Je suis pas sûr de ce que je fais, mais bon, on verra. Voilà, c'est rouge. Tourne autour de lui pour le moment, fait des grands cercles. Pourquoi il veut pas là? Il est tombé, il faut absolument récupérer au plus vite. Ah, Phil, on essaie de s'occuper du sac. Merde! Ouais, mais on prend pas de risque inutile, il est déjà tombé, on va pas perdre des mecs encore en plus. Ah oh, putain, ouais. C'est chiant ça? Oui, je vais voir ce que je veux faire. Je m'en occupe. Voilà, plus de balles de l'axe bientôt. Dernier chargeur. Non, j'ai tout. J'ai tout dans le dans le stride. Bon après j'irai à la batteuse hein, c'est pas grave. Dès qu'il s'arrête, tu peux t'arrêter. Ouais, ils sont ils laisseront pas. Cassez-vous les gars en strider. Allez, on se casse les gars. On a un collègue. Bouge pas! On a tous les hybrides sur Bravo 2, okay, ça a cassé là, c'est le moment je pense. Hein. Ça sort. Moins un. Bon allez, je prends la batteuse, hein. J'ai plus rien. Ah merde! Deux personnes sorties du stagger, c'est le moment. Un coma. Monte. Mon pistolet. Reçu. Flic rouge, il y avait Lynx, il est valise, c'est bon pour nous. Reçu. Allez, continue en appui sur moi. Ah non, il y a deux. Il vient de smoke. Je recolle visu, vous inquiétez pas. Alors, rapproche-toi. Faut pas le laisser lui. Bouge pas. Ah, t'es trop près. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas d'armes, j'ai plus rien. Ouais. A tous deux dragons. Ouais. Parce que là j'ai plus rien. Il faudra qu'on fasse le plein d'armes là. J'ai tué personne? Bah j'ai vu mallette. J'ai vu des mallettes, qu'est-ce que tu racontes toi? Ok, ça te place dans une maison? Bah pardon. Okay, sur carte. Ah d'accord. Bah c'est pas moi qui l'ai eu alors. Il est coupé à la suite rouge. Ouais bah il me semble. Ouais, je vais prendre une mitrailleuse, je vais prendre des balles de lynx. Ouais. Yo Pazo, comment ça va? Alors pour ceux qui parlent mal sur le chat, sachez qu'ici c'est moi qui ai les droits, donc c'est moi qui peux ban en fait.
C'est chiant qu'on se couche là. Oh merde. Non mais je me repose, t'inquiète. Fatigué. Salut. Prends des chargeurs. Hop. Ouais, ça y est, c'est fait. Ouais. Bon, on va essayer de te déposer un peu. Putain, j'ai 200 000 sur moi, bon. T'as de la place sur toi ou pas? Place, il reste un chargeur au sol. Ok, va. C'est bon, les chargeurs de Link, j'en ai beaucoup. Il faut plus. Moi aussi, j'en ai plein. Faut prendre des chargeurs de batteuse, une batteuse, si on a. Ouais, je vais voir. N'importe laquelle, celle qui perce et qui fait mal. Tu veux bien une mitrailleuse dans les fumes ? Ouais, je vais en mettre une. T'as pris quoi? La stunner. Prends les chargeurs de stunner. Stunner. Bonsoir Spring, salut. Ça va plus du tout. On m'a mis une amende de 300k quand on m'a trouvé avec un sniper en prête sur une tour Abdel avec un gilet pare-balles 5. Je comprends pas. Après tu t'étonnes pourquoi ça va plus. Stunner. 6, 5, tracer box, je prends la tracer. Allez vous plaindre à l'OGA, monsieur Jesse. Pas mal de chargeurs de stunner. Voilà, là j'en ai 9, hop. Ah bon? Alors j'en prends des chargeurs de stunner si je les retrouve. Ah, ça va le faire. Stunner. Putain, mais elle est où celle-là? Stunner. Hop, chargeur. My God.
Je vais faire le plein. Ok, je suis à... Hop. Ouais, là je comprends pas non plus. Ok, c'est bon, hop, je suis bon. Se paye bien. Tu peux regarder qui c'est Sly Gamer s'il te plaît? Just... Il y a un bateau là-bas, t'as vu? Il y a des bateaux qui partent, à gauche. À tous de Dragon 3, il y a des bateaux qui quittent l'île. Sud-est. Viens, voir, il faut défoncer les bateaux là. Il y a tout dedans. Tu vois le bateau là-bas? C'est reçu. On commence la progression. TD, fais une com longue si tu peux pour les dragons, je pense pas qu'ils t'entendent. Vas-y. Ok, on a deux bateaux. Hein. Tu me dis quand c'est bon. Hein. Ah, ils sont deux dedans. Eh ben on va tirer, on va le défoncer alors le moteur, on peut? Non, on peut rien, T'inquiète, je fais des roues. Ah merde, j'ai plus mon arme. Elle est où mon arme? J'ai plus lynx. Oh putain, mais c'est quoi ça? Pourquoi on peut pas? Bah je sais pas. C'est de bruit. Comment ça on peut pas traverser? On peut pas. Ah, c'est pas normal si on peut pas. Bah, il est où le lynx là? Je sais pas. Ah, putain, je dois l'échanger là, le lynx. Mettez-vous bien du côté droit de la colline, hein, parce que sinon, il y a personne dans la boucle qu'on vise sur nous. Ah, bah, il a disparu. On risque aussi de voir peut-être des gamins de plan à l'issue du dans les mécanismes. Moi, j'aimerais recommencer celle-là, à l'issue. Putain, on peut pas traverser. Putain. Bon bah voilà, bah, c'est baisé. Bah ouais, bon bah, on va attendre. Ah merde, mon sac à dos a disparu aussi quoi. Ah non. Est-ce que tu penses qu'il y a la Oi ou
Merde, je peux pas travers. Bon, ok. Ça sert à rien de faire ça. Tu peux pas vitre le MK10. Ah merde. Bon bah tant pis. Il est avec eux. Il veut que tu te au niveau du château. Quelqu'un en visuel le MK10 ou pas? Ah si, je l'ai en visuel, je le lâche pas. Bon bah attends. Cobra 2 pour Cobra 10. Allez écoute. Alors attention de commencer à progresser vers la banque. Vous allez sur le point que je vous ai mis, je suis un point devant lui, vous allez sur le point en maison là, derrière le hangar. Non mais tout le MK10 est protégé apparemment. Affirmatif, je peux le garder pendant longtemps. Ok, sans souci. J'ai un pour Diablo. Demande à un de tes passagers s'ils ont des... Ah oui, il a fait bouger, c'est pour il arrive. Ouais. Ah, je pense pas. Okay. TG. Ouais. Ça va être chaud, hein. Ouais ouais ça marche. Fais gaffe qu'il y ait personne non. À mon avis ils sont dans les camions. Il y a un quad là. Je vous fais débarquer tous les deux et puis c'est ça et moi je passe tout de suite. Ouais, tu me dis quand c'est bon, je descends, rappel. C'est lequel maintenant? C'est celui-là. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Allez, gaz. Ouais. Putain, elle va rentrer par où là? Elle va trouver maintenant l'endroit où il faut rentrer. Alors, je crois que c'est sur le côté ou derrière. Allez, vas-y, monte. C'est bon ? Et toi, le place tireur ? C'est bon ? Allez, c'est parti. Ok, je suis dans le bateau. Hein. Non. T'es où ? C'est bon ? C'est bon? Vous pouvez mettre un... Vous pouvez me donner la position du bateau?
Le tuk-tuk police quoi. Bah j'espère. Je sais pas si le minigun devant il marche. Je sais. Même derrière. Ah ouais, bah voilà. Zéro balle devant. Hop. On va éviter qu'il... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter qu'il... qu'il débarque. Vous pouvez me donner la position du bateau, s'il vous plaît ? Ah putain, c'est une nouvelle longue qui hein, putain. Attends, tout de suite. Dans le Canamo, je t'ai mis un point MK10 DG, le MK10 est sur le point MK10. Il bouge. Reçu. Là, il est sur le point MK10. Non, on va pas tirer au minigun. On va éviter qu'il m'intéresse. Développement pour Sherman, ça a été récupéré, je pense sur la MK10 avec DD pour au cas où je dois le suivre. Là je suis à... bon je pars vite hein, je suis à 75. Un ordre du général d'aller en bateau, c'est un ordre du général d'aller en bateau. Normalement, ça va pas marcher. Salut Mortaxi, comment tu vas? Ça fait une banque. Ça fait une banque. Pour DD, pour info, il est posé sur la plage là. Ok, bien reçu. Ah merde, mais j'ai plus de chargeur. Deux. Oh, si, j'ai encore des chargeurs. Je peux savoir ce qu'il fait ? Coupe là pour yoga. C'est débarqué ou pas du bateau ? Ah, si. Non, pas les bateaux, mais les mecs, oui. À ce côté, toujours sur les. Ok, bien reçu. Bon, on va éviter de tirer au minigun, hein, parce que. Pour les gars, je réitère, est-ce que vous êtes toujours sur le cap? Ah si, on est toujours sur le cap. C'est reçu, on arrive en renfort, on arrive sous le lynx. C'est bien pris, quand ça se fait. Tu peux me faire un check des Pax près du bateau, sur sol ou pas, pour que je débarque un petit peu plus tôt? Affirmatif de Dragon 2, on arrive à faire ça. Transmet.
Transmet. Sur la petite île La Chapelle, il y a deux mecs, un snipe et un minigun. Reçu. Et les deux autres qui ont débarqué des bateaux sont rejoignent le phare là. Ils sont sur la presqu'île, c'est ça? Il y en a deux sur la presqu'île, donc le, là où il est marqué chapelle, et deux sur le phare. Ok, ça marche. Ok, ça marche. Il y a une unité terrestre qui peut s'y rendre ou pas là? Pareil, comment tu veux aller sur la presqu'île là. Si tu veux pas en bateau, t'es mort. Hein. Là, j'arrive, je vais m'approcher et on va se faire défoncer. T'en penses quoi? Bah oui. J'ai même pas le temps de débarquer, je vais me faire défoncer en fait. Qui c'est qui nous tire dessus? Ah, impact sur. Juste à côté de la maison. En haut, sur le phare? Ouais, c'est bon. Si. Désolé pour info, t'es repéré, hein. C'est le phare qui tire dessus. Ah, fille. Bas au tireur derrière, hein. Au pire. Il reste combien d'unités en tout là? Ouais, sur ta zone DD, il y a 4 packs CD. Ok, bien reçu. Tu commences soit courte là? Tu me reçois courte? Putain, la courte a changé aussi là. Quelqu'un peut me renvoyer la courte s'il vous plaît? Tu peux m'envoyer la courte, s'il te plaît? Je l'ai envoyé, Dédé. Très bien, merci. Combien de policiers encore sur zone là, banque? Je dirais 10. Ok, bien reçu. Ils s'en sortent au niveau banque ou pas? J'imagine. Ok, bien reçu. Bon, moi, le problème c'est que moi je peux pas aller sur la plage, là je suis trop vulnérable moi. T'as un tireur sur toi ou pas? Ouais, j'ai un tireur. Merci. De Panama, on a un sniper sur le fort. Après, si ce que tu puisses faire, c'est que tu t'éloignes un petit peu. Et au pire, tu avances à pied, non? Bah, c'est ce que je vais faire en fait. Je vais débarquer sur la plage et je vais avancer à pied. Toujours en duo. Nous on vous fait des appuis et vous avancez tranquille. Ouais, par contre les deux packs sur la presqu'île, impossible à avoir sans débarquer par bateau et être trop vulnérable. Ouais, fille là, c'est impossible. Un mot sur le toit, mais les deux packs sont partis. Les packs sont plus en temps arrière, on y va. Alors ce que je vais faire, c'est que... C'est prêt? Allez, on sort. C'est pas un truc d'un moment donné, c'est un TE qui est dans le château. Confirme, il y est encore. Ah, il vient de me shooter il y a 30 secondes. On va changer complètement de visu, on va prendre un autre visu pour. Allez, c'est parti. Donc, un amour, parce que vous pouvez mettre un point sur votre trailer à un moment donné, qu'il puisse savoir à peu près où est le pack.
le port dans la zone, c'est un peu je bouge pas. Rafi, hein. C'est ce que je compte faire en fait. J'ai quoi comme viseur là-dessus, moi? J'ai ça. Là, j'ai quoi? J'ai ça. Un qui tire juste à côté de nous. Ouais. Bah, tu surveilles. Ouais. On va essayer d'abattre le banc haut. Transmet. Transmet. Ok, pour information, t'as un L4 qui est au sud de la presqu'île Chapelle. Bravo de la Bélique. Ouais, c'était un blanc, oui, il vient de décoller, c'est lui qui était sur la Chapelle. Il viendrait. Ok, bien reçu. Ok. Essayer de te spot. Fais gaffe derrière nous, hein. C'est 182 mètres. Juste là, où ça? Où? Il est juste là, derrière les arbres. Ok, donc il est quelque part. Attends, il shoot juste en face. Ouais, pareil, on va le baiser, viens. Mets-toi en voie faible. Je te confirme pas que dans le slide. Ok à tous, j'ai Joe McKenzie et Killian Jones, propriétaires du véhicule. Ouais, le MKD, il a pas bougé. Tu sais ce qu'on va faire? Tu sais ce qu'on va faire? On va se planquer, ils vont venir reprendre le véhicule. Mike, tu peux me faire un check thermique dans mes environs, s'il te plaît? Il y a des PAX. Ouais. Et on va aller les chercher, ceux-là. Ils sont à nous. Ah, ils sont là-bas quelque part, là. Ouais, qui tire juste de notre... Ouais.
Test. Dédé, tu me reçois? Transmets. Regarde ta carte, je t'ai fait 3 packs près du drop de Cobra. Il y a un véhicule qui s'est posé. Affi, j'ai un véhicule sur ma position également. Sur ta pose, ça a débarqué ou? Ouais, ouais, j'ai un véhicule sur ma pose, Joe McKenzie, et je suis plus Killian Jones, je crois. Et il y a des tirs quelque part. Faites attention au phare, les gars. Oui, il y a encore un pack dans le phare. Ton point 3 packs, c'est toujours d'actualité ? Ouais, tu mets-moi tout ça. Affi, je sais. Sur la montagne ou en contrebas? Dans la montagne, pas désolé. Ah putain, donc il va me shooter. Je suis trop à visu. Essaie de l'occuper. Il bouge là, il bouge. Ouais, si, je le vois à chaque fois. Si tu veux que j'en vise dessus, ma arme enrayée. Putain, il manquait plus que ça, con. Je t'ai mis le pack de DD. Un fille, j'ai arme enrayée, putain. Ok, allez, c'est parti, on continue. Occupez-moi du snipe là. Ok, un l'a battu. Ils sont où les packs de blanc? Près de DD là, regarde. Moins 2. Réitère de blanc. Regarde sur ta carte, il y a des points packs. Passez. Il s'est réveillé, le pack que t'as battu, Dylan. Ok, il me faut le troisième encore. Putain, mais t'es virulent, toi. Finis-le, Dylan. Il me faut le troisième, il manque un troisième. On check à la thermique de Dragon 2. Reçu. Il y a un sniper également sur les éoliennes. C'est bon, il est mort, le sniper. Il y en a déjà. Il y en a un autre quelque part, là. Ok, mets-moi une zone. Affi. Zone mise en verte sur carte. Reçu. Allez Dylan, tu me rejoins, on y va. Oh putain. Johnson, fais-moi un check mix de toute la zone. Cooper, ils s'en occupent là. Je suis pas sûr, je crois que c'est en voiture, mais avec le terrain qui est un peu affaissé, je vois pas, je crois. Je vais vérifier. Kevin Mo, tu me soutiens un peu de toi. La fille, ouais, c'est mon rythme.
clair, c'est une voiture, je voyais pas avec le... Ok, reçu, c'est la voiture qu'on a vue tout à l'heure, en vie. Donc il y en a un troisième qui traîne quelque part, on a eu le TE, le tireur et le pilote d'hélicoptère, il m'en manque un. Dans la tour éolienne, il en parle un DD. DD sur ma position, en contrebas. Face à moi ou face à vous? En face de moi. Pour Diablo. Ouais. Dernier, il est sur toi. Neg, je viens de tuer les deux snakes. Et que Dédé était potentiellement en danger avec. Ok, et Luan, vous confirmez? Attends, l'hélico décolle là. L'hélico décolle, Dédé. Lequel hélico? Il y a un hélico sur les packs. Juste en dessous de ma position, là, c'est pas grave. Il y a le rotor allumé, mais il décolle pas. Non, les gars. Non, négatif, c'est moi qui l'ai abattu quand il a décollé. Un filet de glace à des valises. Strider, j'ai une mission pour vous. Direction le phare. Très bien pris, on y va. Ok, Dylan, tu me rejoins? Merci. On va se mettre en position au niveau du phare, à 500 mètres pour le shoot. Ouais, parce que j'allais pas détruire avec la mini quoi. Parce que, bon, déjà le MK, ils ont fait, enfin, je pense qu'ils ont fait style, le MK a été pété. Et tirer avec le minigun, avec le bateau, c'est un peu hyper cheat en fait. Donc, de toute façon, j'aurais pas tiré avec la mini. Même si j'aurais eu au Lord, j'aurais pas fait. Ifrit, on arrive aussi. Alors, je peux pas vous dire s'il y en a encore dans le phare. Je sais pas si je regarde. Vous faites deux colonnes et vous faites deux entrées, il y a deux entrées dans ce vaisseau. Ah, il dit d'aller dans le phare. C'est dans le phare, ouais, ça va dans le phare. Les deux sont rentrés dans le phare. Ok, je me rapproche du phare à distance pour faire des tirs de soutien. De Cobra, on a un bobo si vous voulez pour investir. Ok, c'est bon, là je suis bien. Là on est bien, mec. Hein. Normalement. Du coup, ce que vous faites, c'est que vous faites une colonne de 4, les gars, et vous rentrez. Ok, je suis là, hein. Je suis en appui, pas de soucis. Attendez-vous, vous êtes l'unité Spider là, allez-y. T'es prêt? Ah, continuez le smoke, là. Fais gaffe dans les bacs, hein. Faites-les juste se replier sur sur tout en haut, quoi. Qui seront bloqués tout en haut, ils peuvent faire un tir. Rafi, il monte, j'ai visu. Normalement, j'ai mis coma. Normalement, il est coma. Normalement. Je charge. Bon, j'ai plus de balles en PE, faites gaffe, ils sont deux, voire trois. Ils sont deux. Ok, ils sont dernière fenêtre hein, du phare. Ok, un à terre, j'ai un collègue à terre là. Regardez au-dessus de vous les gars, dans les escaliers. Alter, soigne-toi, il y en a d'autres qui vont prendre la relève. Il y en a un Alter pour info, et il en reste un. Et nous on a des collègues à faire? Ah non, un c'est seul. Ah non. Les servir. Diablo pour des... Non, mais Diablo pour Johnson. Ou c'est qui le deuxième hélico là avec moi? C'est Yuga. Yuga, prends-moi la fenêtre là. Quelle fenêtre?
Faites-le se rendre sinon. Dis-lui qu'il est tout seul, faites-le se rendre. Ouais, j'ai vu les fenêtres. Ouais, demandez-lui à se rendre. C'est bon. Deuxième fenêtre, faites attention à lui. Ah putain, je peux pas tirer à travers la fenêtre, con. Bien reçu. Diablo pour DD, j'ai besoin de ta confirmation. Afi, vas-y, transmets. Je laisse mon tireur faire un rappel pour essayer de... Afi, vous le prenez en sandwich. J'ai un pack de Bravo 13. On le spam, tu peux y aller. C'est bon, j'en ai abattu un de Bellic. Oh, vas-y. Négatif, il est vivant. C'est bon, coma. Reculez tous. Essayez de le traîner jusqu'en bas, collé. Vous le traînez, on peut y se rendre avant. Confirmez, coffre fermé ou pas? Non, je crois qu'il reste à l'intérieur de la banque. C'est clear? Oui, il reste. Il reste dans la banque. Ok, d'accord. Il faut une extraction rapide. On a besoin de... Un blessé. Deux coma dans la tour. Bien reçu, vous les avez finis ou pas? Ah bah vous les finissez. On n'a pas le temps les gars là. On doit s'occuper de la banque. Attention, il y a un poteau. Encore combien de packs les gars emmenés au collège? Qui tiens? Vous les mettez, sinon vous les mettez au pire, vous les menottez, vous transportez pour... C'est bon, ils sont valides. Ok, reçu. Bon bah tant pis. Il va monter avec vous. Tu le maintiens en vie. Alter. Et je monte à l'échelle. Alter, redescendez. Oh putain. Parce qu'il y a les valises là qui vont tomber, ça va. C'est dangereux. Ok, Strider, vous avez de la place pour deux hommes ou pas? Ok, bah tu viens nous récupérer. Cobra 3, tu peux venir pour me donner des mines, s'il te plaît? Vas-y, Alter, je suis derrière. Ok, j'ai deux chargeurs, trois chargeurs. Non, c'est bon. Non, négatif, faut les mines, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Pourquoi vous avez besoin du responsable médical? Ok, Dylan, t'es parti, on va monter dans ce trader direction banque. Affirmatif, tu veux me récupérer moi, DD et la recrue que j'ai avec moi. Bien pris, je vais arriver sur zone. Et direction banque. Mon collègue est mort. Ah, bah y'a un tireur qui va dans Cobra 3. Dragon 3. Vas-y, tu me suis là. Non, besoin d'aide. Transmets. DD, barre-toi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un TE ou quoi? T'es trappes ouvertes, ferme tes trappes. Comment on fait? Bonsoir, ah. Ta roulette. Vas-y. Il est décédé. Ça marche pas. Okay. On a pas de kit de réparation? J'en ai un, les gars, je vous le répare. Vas-y, répare. Ah non, t'as pas la licence. Si? Ah oui, putain, vas-y. Bon, la trousse. Vas-y. Bon, je suis en train de réparer. C'est bon, tu répares? Ah, j'ai besoin d'un médic sur Ivar, bravo 2. Je suis gravement blessé, j'ai pris Tecno. J'arrive. Fais attention, t'as un Val qui arrive sur toi. J'en peux, t'as un Val sur toi. J'arrive. Sur qui toi? C'est qui toi? Allo les gars, allo. Qui a un véhicule sur lui là? Faut faire une décive, commandant. Non, je pense qu'il y a une erreur de communication, c'est plus de personnes pour le soigner. Merci. Gambino et Free, tu peux venir me chercher là sur ta position. Ce que tu vas faire, c'est que tu... On va essayer de se poser sur le toit d'une banque. Bah là, je suis bloqué, donc si quelqu'un peut me sortir. T'es bloqué où? T'es sorti là en fait. Ah bah, pour moi,
Commandant, voilà. Avez-vous de la morphine pour moi, s'il vous plaît, pour les Red Bull? Ouais. Merci beaucoup. Non, j'ai plus. Non, bah non, j'ai plus. Ouais, t'es dehors, tu marches partout, là. Bravo de Fredrickson et... Transmet. 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 Transmettez. Transmet. On vient toujours vous récupérer, du coup. Afi, Afi. Peut-être un de moi fait quelque chose, là, mais... Hop. Là, je me vois dans l'hélico. Je répare véhicule pour Bravo 2 et j'arrive en soi juste en dessous. C'est bon ou pas? Non, je suis toujours... Parce que moi, personne sur le phare. Ouais, t'as un gros bug là. Viens, Gabino. Le salut Arval, gris. L'extraction sur Lyon, est toujours une. Attends, je te laisse conduire si tu veux, si t'es meilleur pilote que moi. Le pire, c'est que... Est-ce que vous me recevez, les collègues sur le phare? T'es encore dedans là? Bah vas-y quitte, je te refais venir, c'est un bug. Tu m'envoies, un texto police quand il retourne. Ouais, fille, je règle juste un problème, j'arrive. Quel bordel, toi. Ouais. C'est sûr, j'ai fait quelques balles au passage, mais ça va quand même, j'ai tenu le coup. C'est le bon coup. Ok, hop. Mike. C'est bon? Allez, gaz. Je suis quoi là? C'est bon? Tout le monde est là? Ouais, c'est bon, let's go. Non, c'est pas tout. Non, il y a de la place encore. Il y en a, bah, il y a, attends, je. Mais il y a Mike ici. C'est bon? Ouais, c'est bon, let's go. Allez, gaz, direction les manques. Ce bordel. Ouais, c'est le bordel là. On est dans le fort, le mec il a mis 50 rafales à mon pauvre collègue. Nous on est sur nos places parce que tout à l'heure devant la banque, encerclé par 4 écrites, c'était bon. Non, mais nous à un moment donné on était pas bien. Hein. On s'est retrouvé avec 4-5 écrites, un VF, commencé à faire une tech d'onde et tout là, on se dit. Ouais, il la joue bien. Hein. Ah. Attention, hein. Il joue bien la banque là. Ah bah là il est bon. Je me demande s'il joue pas le temps là. Bah il n'y a pas besoin parce que les MK10. Bah là, les MK10, j'ai baisé les MK10 là. Ah bah voilà, maintenant ils jouent plus rien. Ils sont là pour. Pour survivre. Ouais. Bon, alors, me tue pas. J'ai failli mourir, c'est pas par une balle déjà tout à l'heure. Ils sont juste dans la banque, y'a plus rien autour. Ah, on est pas sûr, mais je crois que. Ouais. Dans la banque, comme ça, ils sont pas. Beaucoup de. Du coup, là, on Viper, on est que ça? Viper, ouais, il reste plus que nous. Il y a pas de Cobra qui tape la piste avec vous. Ah, c'est le bug. Faudra surveiller les MK10 quand même, au cas où le mec, il reste pas un mec pour prendre les MK10. Hein. Mais je pense que ça joue le temps. Ouais, c'est bon. Par contre, les transmissions chez vous, là, la police, c'est compliqué. Ouais, ça, c'est compliqué, hein. Ça va venir, t'inquiète pas. Faut suivre. Vous montrez sur le continent, je suis pas comme ça, parce que... Ah, donc nous, les transmissions sur le continent, ça va tout seul. Après, t'as pas le même genre d'action, en fait. Mais moi, je suis pas fini sur le continent. Ah, d'accord, je suis... Même cette côtière, ils ont pas forcément le même genre d'action. Pas comme ça, mais non, mais enfin, tu dis ça, mais il y a peu de temps, on a eu un truc similaire. Il y aurait la solution pour faire
T'es sûr que ça joue, Sacha? Oui, ça joue. Oh, je me suis tapé toutes ces appels, quoi. Oh. Alors, pour petite info, j'ai déjà fait de la BA. Ok, il y a une fenêtre en bas à gauche. On a perdu une personne à gauche. J'avais pas de sous, j'avais rien, j'avais pas de véhicule. A tous, DDD, je suis de retour. Information sur la banque là? On a un pack dans le bâtiment de droite, le bâtiment rebelle là, camp rebelle, je sais pas où c'est. Ouais, Robert de gang, il est tout. Ouais, je sais pas comment expliquer. Ok, bien reçu. Dans la forêt. Au niveau des MK10, ça a donné quoi? Et clean, tous les packs sont détruits. Ok, les camions étaient remplis d'or ou pas? Infi. Ok, donc du coup, l'argent est là. Mais du coup, j'ai pas saisi, hein. Ouais, ouais, pas de soucis. Ok, à mort. C'est pas battu. Ok. Infi, ouais. Les Hydras, vous venez vers... Faites gaffe devant vous, là. D'accord, on va pénétrer... Ouais, restez pas devant moi, les gars. Restez pas devant moi. Restez pas devant moi. Johnson est toujours vivant, en fait. On va se rapprocher. Medic, tu prends Medic. Tu confirmes, Skito, c'est clean le bâtiment? Non, c'était le TE qui était dans le gros bâtiment qui a battu celui en peur de gang. Medic, transmets. On va rentrer à l'intérieur. C'est reçu. Merci beaucoup. Ah bah d'accord. Oh. What? Eh ben voilà! 20h minuit terminé. Bon, petite banque bien sympathique de la Rampage. Et bon, il y a des bugs qu'on a, voilà, que je connaissais pas, comme le MK10 invulnérable et tout ça. Bon, ben voilà. Merci à tous. Merci à tout le monde. Je vais refaire le tour comme tous les soirs. Comme d'habitude. Pour pas se louper. Hop. Merci à Johan pour son follow. Merci à Crépy pour son abonnement. Merci Asgard. Merci Belka. Merci Johan. Et merci Crépy pour votre présence, d'avoir rejoint la communauté. Merci à tous, merci aux donateurs, merci à Nek pour son donation, merci aussi à Mike pour son abonnement, merci à tous. J'espère que vous avez pris du plaisir. Au début ça a été compliqué, mais on a fini par s'amuser un petit peu quand même entre nous, et j'ai pu voir qu'il y avait certainement des petits bugs que je ne connaissais pas, mais voilà, comme la vulnérabilité du MK10 et tout ça. Bref, merci à tous, moi je vous donne rendez-vous soir 6 ou demain soir, 20h minuit, sur altislifefrance.com. N'oubliez pas de follow la chaîne pour ceux qui n'ont pas encore fait. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube pour revoir les vidéos et les gameplays que vous avez aimés. Et surtout, rejoignez-nous sur Discord et pour jouer entre nous en escouade sur d'autres jeux, ou même sur ALF, en King of the Hill, ou sur ALF tout simplement pour se donner des petits conseils entre nous. Merci beaucoup de tout le monde, de toute votre fidélité, ça me fait vachement plaisir. Nous sommes certes pas 300, nous sommes certes pas 700 ni 1000, mais nous sommes une petite communauté fort sympathique. Autre chose que j'ai pu constater dans le chat, l'agressivité et le non-respect d'autrui, je n'accepte pas. Moi je banne direct. Donc si je sens qu'un commentaire n'est pas du tout à la hauteur de la communauté que j'attends, je vous banne direct. Voilà, ça c'est fait. Merci à tous et bisous, prenez soin de vous. Bonne soirée à vous, bonnes vacances pour ceux qui ne sont pas encore en vacances et qui n'auront pas de vacances, parce que ce n'est pas les vacances, en fait, il n'y a que moi qui suis en vacances. Bon week-end, prenez soin de vous et ciao ciao, à demain ou à tout à l'heure. Et voilà la famille, le streaming est maintenant terminé. Mais avant de vous quitter, je tenais quand même à tous vous remercier. Merci à tous les followers et tous ceux qui ont followé dans la soirée. Merci aux abonnés et tous ceux qui se sont abonnés. Merci aux donateurs et à ceux qui ont donné dans le passé. Merci à tous de partager Springfield TV. Merci également de cette grande fidélité. Si tu as aimé, n'oublie pas de t'abonner sur YouTube pour revoir ces vidéos au petit déjeuner. Et n'oublie pas que tu as Discord pour rejoindre cette fabuleuse communauté. Et pour conclure, je tenais à tous vous remercier de cette énorme fidélité. Merci à tous, c'était Springfellow TV.